Salut à tous, le retour du rugby sur Winamax TV. Bienvenue dans French Flair et pour commencer ce premier match destination, le Crunch France-Angleterre. Et avec moi, tous mes beaux gosses, un casting de rêve. Ils sont presque tous en forme. Je vais commencer par Lucas. Ça va, Lucas ? Très bien, je suis très ravi d'être ici et j'ai hâte de découvrir ce cinéma. Si vous avez des soucis de prêt bancaire, n'hésitez pas à faire appel à Lucas Niguet, Lucas Bertolotto. Sinon, je fais Uber aussi dans la vie. Il fait chauffeur Uber. Hugues Briat aussi est avec nous. Messieurs. Ça va, Hugues ? Un plaisir d'être là également. Depuis la Coupe du Monde, ça fait longtemps. Exactement. On n'a normalement pas le droit de se la souhaiter, mais je vous souhaite à tous la bonne année quand même. Et Fabien Doré, au top. Ben ouais, ravi d'être là et hâte de commenter ce match. Qui s'annonce palpitant. Eh oui, le premier match destination France-Angleterre. Tous les matchs de l'équipe de France seront à vivre sur Winamax TV. Il sera commenté, normalement, si tout va bien, par Lucas et Fabien. On fera un petit débrief aussi à la fin de la rencontre. Voilà, pour tout vous dire sur ce match destination. On vous salue sur le chat et on vous offrira aussi des codes boostés, etc. Mais on va commencer par un petit free bet. On va vous le mettre à l'écran, cette question. Quel est le nom du capitaine du 15 de France pour ce tournoi destination ? On commence tranquillement, il y aura des freebets aussi à gagner pendant le commentaire. Lucas vous posera plein de petites questions pendant les temps morts, s'il y en a. S'il y en a, mais je pense qu'il va y avoir quelques temps morts. Logiquement, on devrait... On a deux spécialistes de la mêlée avec nous, donc je pense que pendant une petite mêlée, tu vois, il y a moyen de poser quelques freebets. Allez, les codes boostés, on va commencer par vous en proposer deux. Ça va dans le sens de nos parieurs. La première, c'est une double chance marqueur d'essai. May ou Thomas marque un essai. Si un des deux marque, à 1,75, hop, ça vous... permet d'empocher vos gains. 1,75, elles sont disponibles jusqu'à 16h, donc dépêchez-vous. Logiquement, c'est les deux favoris pour marquer un essai. Donc voilà, on vous propose cette double chance. La deuxième cote boostée, vous êtes, on regardera tout à l'heure la répartition des mises, mais beaucoup de nos parieurs voient l'Angleterre gagner. Du coup, on vous booste la cote. L'Angleterre gagne et moins de 40,5 points dans le match. Ce n'est pas un écart, bien évidemment. Moins de 40,5 points dans le match à 3. Qu'est-ce que tu en penses, toi, l'homme des cotes, l'homme des... C'est très très intéressant. C'est franchement, très intéressant. Ouais, si j'avais pu là, j'aurais mis un petit gain quand même. Si t'avais pu. Et du coup, on va vous mettre la répartition des mises à l'écran pour vous montrer que la France n'est pas publicitée pour ce premier match des destinations. Ça, c'est la cote boostée. Les 66% des joueurs voient l'Angleterre battre l'équipe de France et la cote de l'Angleterre ne fait que baisser. Donc, ça aussi, c'est un signe. Les cotes ne mentent jamais. Mon cher Lucas. Plusieurs promos aussi à vous proposer dans ce tournoi destination, on va vous l'afficher. Vous avez l'habitude aussi, la promo en live avec les 10 euros offerts pour parier sur le crunch de tout à l'heure. Et aussi la deuxième promo, ça c'est sur l'ensemble du tournoi en fonction de vos paris qui passent. L'opération Grand Chelem, vous avez 1000 euros à gagner par match en fonction des paris que vous placez en live. Voilà pour les promos et on passe maintenant au rugby. On va y aller enfin avec nos experts rugby qui étaient là pour la Coupe du Monde. Ça fait plaisir de vous retrouver, les amis. On part de l'équipe de France. On regarde le calendrier d'équipe de France. Vous le savez, forcément, ça commence par ce France-Angleterre avec cette question toute simple, avec ce calendrier. On parlera tout à l'heure, on écoutera tout à l'heure l'ambition de l'équipe de France. Hugues, à quoi peut prétendre le 15 de France, avec ce calendrier, sachant qu'on est dans une année paire, et voilà. L'équipe de France reçoit 3 fois. J'allais parler de ça, c'est une année qui peut nous donner à espérer, puisqu'on reçoit 3 fois et que c'est quand même les années les plus favorables à faire un grand chelem. Alors je ne vais pas m'emballer au niveau du grand chelem, mais je pense que le résultat du jour contre l'Angleterre peut vraiment définir et peut vraiment donner le ton de la suite du tournoi. Je vois 2 gros temps forts, on va dire, aujourd'hui, tout à l'heure, et le match au Pays de Galles, qui va être un énorme challenge. Moi je suis plutôt de nature optimiste et aujourd'hui j'ai envie d'y croire, même si c'est un très gros défi qui s'annonce, quoi. Je me rappelle plus qu'il y avait été bon parieur sur la Coupe du Monde. Je sais que toi t'as été horrible. C'était pas moi. Oui. C'était dégueulasse. C'était pas moi. Moyen. Moi je crois que Fabien il s'en était pas mal tiré, il me semble. J'ai pas pu trop me prononcer. En fait, le meilleur c'était moi. Ouais. Sur la Coupe du Monde. Ouais. Non mais ouais. Comme ton maillot le prouve d'ailleurs. Exactement. Ouais, voilà. Exactement. Mais c'est vrai que j'avais été plutôt performant. Fabien, sur les ambitions du 15 de France sur ce tournoi. Bah, je pense que ça serait bien. Qu'est-ce que tu espères, toi, personnellement? Qu'on gagne tous nos matchs à domicile, ça serait déjà une belle performance. Mm-hmm. Surtout avec ce gros morceau d'entrée qu'est l'Angleterre, qui a très peu changé d'effectif depuis la Coupe du Monde. Seulement 3 changements, je crois, sur le Voilà, exactement. Tandis que nous, il y en a une ribambelle de nouveaux joueurs et beaucoup de très peu expérimentés du niveau international. Donc, gagner aujourd'hui serait vraiment une belle performance. On va vous mettre les codes de ce match. La France est à 3, le match nul à 22 et l'Angleterre à 1,50. Lucas, toi aussi, ton petit tour de table. Qu'est-ce que tu espères sur ce tournoi? Juste voir. Est-ce que
Le résultat est important dans ce tournoi ou juste permettre à des jeunes de faire leur place dans le groupe? Le résultat est forcément important. Galtier doit marquer son début de mandat sur ce tournoi-là. Donc forcément, tu ne peux pas te louper parce que ton mandat, il va partir déjà, il faut qu'il parte sur de bonnes bases. Après, c'est délicat. Quand tu commences un tournoi par les vice-champions du monde, c'est forcément délicat. Mais ils l'ont très bien dit, tout va se jouer maintenant. Et ça nous conditionnera pour le reste. Il y a Docteur J'ai mal à mon cul, hein, désolé pour le pseudo, hein, il a bien choisi, qui nous dit si on bat les Anglais, c'est un miracle. On peut plus ou moins le dire, parce que c'est vrai qu'il y a un gros morceau qui arrive. Allez, la compo, vous l'attendez presque tous. Il y a des joueurs peut-être que vous allez découvrir ce soir, on va vous la mettre à l'image. Beaucoup de changements, t'en as parlé Fabien. Lucas, je te laisse la décrypter. Où sont les nouveautés, où sont les certitudes, où sont les cadres? Et bien évidemment, Lucas, Hugues et Fabien, vous pouvez intervenir si vous avez des choses à nous raconter sur les joueurs. Du coup, on change de capitaine, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, c'est plus Guirado qui est en retraite internationale, c'est Marchand au poste de talonneur. Oui, je peux dire la réponse, mais on verra plus tard. Et en première ligne, on a un petit nouveau qui s'appelle Awas. Et Fabien peut peut-être nous en parler, vu que c'est un peu un spécialiste de la première ligne. Oui, donc lui, il a un parcours assez atypique. Il a mis du temps à éclore à Montpellier. Puis après, il a rejoint le circuit du centre de formation. Ça fait 2-3 ans qu'il est dans l'effectif professionnel. Ces derniers mois, ses performances ont été de plus en plus intéressantes et il est récompensé par cette première cape au niveau international et cette première titularisation. Voilà. Après, en deuxième ligne, on a deux Sud-Africains d'origine. Ouais. Bernard Leroux et Paul Willemse. On peut laisser la compo à l'écran, comme ça, ça permet d'avoir le... On peut dire que c'est une deuxième ligne sud-africaine, quoi. C'est Paul Willemse qui a eu très peu de sélections au niveau international avec l'équipe de France. En troisième ligne, on a donc le nouveau capitaine, Charles Olivon. Exactement. Je pense que Hugues connaît très bien ce poste et il peut nous en parler un peu. Un beau bébé, Olivon. Un peu, ouais. Ouais, ça va être un gros rendez-vous pour lui. J'imagine qu'un premier capitanat du 15 de France, il doit vraiment avoir à cœur de ne pas se rater. Et il représente la France maintenant. Il porte les espoirs de cette nouvelle génération. En troisième ligne, moi, je suis très, très content de voir Cro en 6, qui était une de mes déceptions, absent de la dernière liste. C'est passé très près, hein, mais qui n'a pas disputé la Coupe du Monde. Et je suis très, très content pour lui. Je ne le connais pas, mais je trouve que c'est un joueur de très, très grande qualité qui est très présent dans les tâches difficiles de l'ombre. Et il peut vraiment fluidifier le jeu. S'il apporte autant qu'il apporte à Toulouse, ça peut faire des gros dégâts. Et Aldrit en 8, qui est pas incontournable, mais qui va le devenir très vite, à mon avis. Ouais, voilà, Aldrit en 8, du coup, qui décale Olivon en 7, qui n'est pas son poste de prédilection, on va dire, qu'il est plus troisième ligne centre. Une charnière 100% toulousaine, Antoine Dupont, Romain Ntamack, et très jeune, mais avec Ntamack champion du monde U20 pour lors de la le premier titre. Et Antoine Dupont qui brille, quoi, qui est revenu il n'y a pas longtemps d'une blessure au dos à Toulouse et qui brille avec le Stade. Alors là, sur la compo, Penaud est annoncé comme titulaire. C'est le forfait de dernière, entre guillemets, dernière minute. Il est remplacé par Rates. Exactement, exactement. C'est La Rochelle. C'est vrai que c'est le meilleur joueur de l'équipe de France de la Coupe du Monde qui est forfait. On va voir s'il sera forfait pendant un long moment. C'est une gêne au mollet. Au mollet, qui a eu lieu lors du Captain Run hier. Donc c'est arrivé assez tardivement. Et c'est Vincent Rates qui prend sa place. Rates qui est un peu polyvalent, qui peut faire ailier, arrière. Et qui a fait un gros début de saison avec La Rochelle, qui va aller à Montpellier la saison prochaine. Mais bon, après, au niveau international, on attend de voir. On est curieux de voir Rates. Et à côté de lui, Ficou, Vakatawa, Thomas, qui sont des joueurs un peu plus expérimentés, un peu plus connus du grand public. Et derrière, Boutier, c'est la petite nouveauté aussi. Boutier, qui est le petit nouveau qui est arrivé à Montpellier cette saison, de Vannes, en Pro D2, et qui a surclassé tout le monde avec Montpellier depuis le début de saison, qui est capable de faire énormément de choses, dont un rôle de buteur, qui peut peut-être aider pour soutenir Ntamack et qui prend des intervalles dans tous les sens, qui trouve des espaces, qui est un formidable joueur. Après, il l'a fait avec Montpellier, c'est un autre niveau là aujourd'hui, donc on attend de voir. Après, il y a un banc de remplaçants assez jeune quand même. Aussi. Et qui est totalement inexpérimenté. Voilà. C'est la première fois qu'on a un 15 aussi inexpérimenté pour démarrer un tournoi. Hugues, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ou peu importe, il va falloir faire avec. Moi, je suis assez content, honnêtement. C'est un peu à ce niveau-là que va se situer le secret du résultat d'aujourd'hui. Est-ce que les gens, je pense à Awas et Boutier, répondent présents? Est-ce qu'ils arrivent à passer le cap du niveau international? Est-ce que Rates, malgré toutes les qualités qu'on lui connaît, va résister et défier, enfin, dans le défi physique, va être vivant aujourd'hui, va réussir à tenir la dragée haute aux Anglais? Le banc, moi, j'ai une grande confiance parce que le banc est quand même composé de joueurs de grande qualité. On a des joueurs comme Palu, je pense que si la sélection n'arrivait pas maintenant, elle ne serait jamais arrivée, il n'a jamais été aussi bon. On le voit avec le Racing sur tous les matchs, mettre des joueurs reconnus et internationaux derrière lui dans la hiérarchie. C'est des joueurs de grande qualité qui doivent aujourd'hui se challenger et être vus sur la scène internationale. Et on aura les idées un petit peu plus claires à la fin du match.
Fabien, sur la jeunesse, le manque d'expérience, oui. Est-ce que ça peut faire mal face à ce 15 anglais rodé? Ben moi, j'ai un peu moins d'optimisme que Hugues et Lucas. Bienvenue dans l'équipe. Voilà. Moi, j'ai très peur pour ce soir. Mais pour autant, il est vrai que la jeunesse et l'enthousiasme sont des solutions face au pragmatisme. Voilà. Et puis, c'est vrai que si on a un Haaland French Flair aujourd'hui... Excellent. Voilà. Bah oui, il est bon. Il est bon. C'est costaud. Sans jeu de mots. En tout cas, c'est vraiment ce qui caractérise le jeu français. Quoi. Bien sûr. De tenter un peu des choses impossibles et de les réussir. Ces gars-là, de toute façon, on les voit tous les week-ends en top 14. Ils tentent tout, ils le réussissent, ils sont hyper talentueux. Et il n'y a aucune raison qu'ils ne le tentent pas, en tout cas aujourd'hui. Et on espère qu'ils y arriveront. On va écouter Fabien Galthié, le nouveau sélectionneur du 15 de France. Il est très bavard, il nous dit plein de choses sur les ambitions de l'équipe de France. Messieurs, avec un groupe jeune, une question plus générale. Quel est votre objectif pour ce tournoi? Gagner, tout simplement. Tu as vu l'annonce? Et si on doit revenir à ce match de dimanche, je pense honnêtement que personne ne peut prédire ce qu'il va vraiment se passer dimanche. Mais en tout cas, je peux vous assurer d'une chose, c'est que nous allons faire honneur à notre maillot. C'est magnifique. On a appris plein de choses. On est bien boosté. Belcom. Très belcom. Magnifique. Tu veux me dire quelque chose sur le quand tu regardais sur l'annonce de la compo de Galthié, quoi. Le mec, il t'annonce la compo. J'ai rarement vu un sélectionneur faire ça. Ça emballe pas, quoi. Il t'annonce la compo, il a fait bon, pilier gauche, Thierry Le Bail. Ouais, et deux heures après, talonneur, Julien Marchand. Hey, gros, réveille-toi un peu, boost, c'est la compo, qu'on l'attend tous. Non, rien. C'est. Alors, Penaud, donc on l'a dit, forfait, Ratez, donc qui est titulaire. Les points forts, toi, de cette équipe de France, selon toi. Et aussi, on va regarder un peu les codes pour les marqueurs d'essai. On a Teddy Thomas qui est favori pour marquer. Sur quel point tu vas être attentif spécifiquement cet après-midi? Sur quel secteur tu vois des points forts d'équipe de France pour battre ce 15 anglais? Alors, je pense qu'on a deux points forts qui sont plutôt logiques. C'est la charnière et les deux centres. Qui aujourd'hui ont le plus de talent à mes yeux pour la charnière, vraiment la capacité d'exploser et de devenir des stars mondiales, et des garanties au centre du terrain avec Vakatawa et Fikou, qui ont fait leur preuve déjà avec un bon nombre de sélections à deux, qui étaient présents à la Coupe du Monde, et qui aujourd'hui, je pense notamment à Vakatawa, est capable de gagner des duels sur n'importe qui, et c'est peut-être l'élément déclencheur, je vais pas dire du French flair pour Vakatawa, mais pour créer des vraies différences. Lucas, sur cette question des points forts de l'équipe de France, à quel poste tu penses qu'on peut prétendre être supérieur au 15 de la Rose? Je pense que la mêlée va être très importante sur ce match, parce qu'en plus, le 15 de la Rose a plusieurs absents devant, les frères Vunipola notamment, et je pense qu'on peut... Sinclair est toujours là, qui a été très bon... Sinclair est toujours là, mais il a été pas top avec son club dernièrement. Après, eux, il leur manque les deux frères Vunipola, dont le 8, Billy, qui est l'un de leurs gros éléments. Oui. Donc je pense que si on prend le dessus en mêlée, ce qui est vraiment possible aujourd'hui, ça va nous aider grandement. Fabien. Moi, un secteur qui va m'intéresser, c'est la touche. Ça a vraiment été notre talon d'Achille durant la Coupe du Monde et durant le mandat précédent. Là, j'ai hâte de voir le travail de Karim Ghezal, qui est reconnu comme le plus grand spécialiste de France de la touche. J'ai hâte de voir si ça a déjà marché, si sa patte est déjà bien posée sur le 15 de France et sur l'alignement. D'autant plus que les Anglais ont aligné peu de joueurs qui n'étaient pas à la Coupe du Monde. Mais il y en a un qui commence, c'est Ewells. Et il est reconnu justement pour ses capacités de contre en touche. Donc ça va être un véritable challenge pour nous aujourd'hui. Et on a un nouveau talonneur aussi. Et exactement. Et un talonneur qui a quasiment jamais lancé à ce niveau-là, qui va avoir besoin d'avoir une justesse dans ses lancers. Parfaite, comme le niveau international le demande. C'est ça, le manque d'expérience, tu peux trembler un petit peu sur ce secteur-là. Voilà, s'il est pleinement en confiance et qu'il est, je veux dire, cette semaine en confiance sur la qualité de son lancer et de son mouvement globalement, ça devrait bien se passer. On le voit lancer avec Toulouse tous les week-ends, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui est plutôt reconnu pour la qualité de son lancer. Maintenant, à ce niveau-là, moi, je n'y ai jamais été confronté. Et je vois bien à la télé la difficulté. Donc, il suffit de se dérégler parfois. Et en plus de ça, le pauvre, on pense que ça allait plutôt être Chat qui allait être installé à ce poste-là. Exactement, oui. Il s'est blessé il y a une semaine, donc il n'a eu qu'une semaine pour se mettre véritablement dans le grand bain et dans la peau du titulaire. C'est pas évident. Je pense que quand tu passes d'une semaine à l'autre et qu'on te dit, bon, t'es remplaçant, puis, ou tu ne vas pas jouer, puis tu vas être titulaire pour un crunch, je pense qu'il faut s'y faire quand même. Sachant que le dernier match de Marchand en équipe de France, il s'est blessé, il s'est fait les croisés pour 6 mois. Quoi. Donc, mentalement, il va falloir qu'il soit très solide. Je pense qu'il en est capable. Oui. Et vraiment, je pense qu'il en est capable.
Et ça peut changer beaucoup de choses aussi. Il y a Pronos Paris qui nous dit il y a du trapèze aujourd'hui sur le plateau. Peut-être pas, c'est alors, pour moi, non ? Pas forcément de nous. Ça parle de nous, je crois. J'ai peut-être un doute, mais je suis pas convaincu que ça parle des mecs qui ont mis la veste, quoi. Mais bon, il y a pas de souci. Qui marquera un essai si la France marque un essai aujourd'hui pour l'équipe de France ? Fabien. Un essai de pénalité sur mêlée. Et qui se mouille là, celle-là, de possibilité. Donc voilà. Ça compterait pas pour les marqueurs d'essai. Mais je vous propose, on a Teddy Thomas à 3, Vincent Rattès à 3,25. Vakatawa à 3. Du coup, Julien Marchand, parce que essai de pénalité, ouais. Ça revient à un mol. Oui, mais je ne suis pas sûr que ça soit compté comme. Oui, non, mais c'est Non, mais sur mol, c'est vrai que souvent, le talon. Julien Marchand sur mol, la belle histoire. La belle histoire du jour. Exactement. Eh bien, je vais aller chercher ça. C'est la cote à 6. Voilà. Ta grosse cote, Fabien ? Ouais, allez, pourquoi pas. Avec, ça me va aussi. Julien Marchand sur un ballon porté. La grosse cote de la team. Se rassurer. Faut que tu dises autre chose. Faut que je dise autre chose. Mais un Toulonnais, on te connaît. Moi, je pense que Ntamack en sortie de mêlée, premier attaquant, un petit 4 deb et je vais dans l'embut. Ok. La cote de Boutier, quand même, elle est intéressante. Boutier arrière. On a tout. On devrait tout avoir. Boutier qui côté à 6, même niveau que Julien Marchand, ça doit devoir dire quelque chose. Peut-être que les deux sont à jouer. Eh ben, écoute, on va suivre ça. Après, côté anglais, le favori pour marquer un essai, sans surprise, c'est Johnny May, qui est favori. Quelques stats sur l'historique du crunch, et ça ne va pas fort forcément pour l'équipe de France, on va mettre ça à l'écran. Est-ce qu'on y pense, ça, quand on rentre sur un terrain, une équipe qu'on on a du mal à jouer contre eux? Après, la dernière fois qu'on les a accueillis dans le tournoi, on a gagné, on se rappelle de cet essai de Ficou dans les dernières minutes. L'année dernière, ça s'est plutôt mal passé. À Twickenham, 34 victoires, 49 défaites dans l'histoire du tournoi pour la France face au 15 de la Rose. Ça, il n'y a pas d'incidence. Là, on a la chance d'avoir un groupe jeune qui n'a peut-être pas eu la chance d'avoir connu ces dernières années un peu de galère. Ça aussi, ça peut faire du bien. Pour être très honnête, je crois que le renouvellement de génération, c'est un nouveau cap dans l'histoire du 15 de France. Il était nécessaire aussi, peut-être. Ouais, et j'imagine que le staff de l'équipe de France axe beaucoup sa communication avec ce nouveau cycle, ce nouveau départ, ce défi que les Anglais nous ont lancé aussi sur l'agressivité et l'intensité du match. Donc, je pense que ces jeunes joueurs et tous ceux qui vont attaquer le match aujourd'hui, ils ont comme optique d'écrire la première page de leur histoire. Voilà, donc on oublie tout ce qui s'est passé et on met 150% de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, quoi. Totalement d'accord. Et Hugues, aucun poids de l'histoire quand tu rentres sur la pelouse, quel que soit le niveau auquel tu joues, t'es toujours motivé et prêt à affronter ton adversaire et à tout donner pour gagner, quoi. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, ben Hugues... Je t'ai entendu prendre une respiration. Soit c'est pour alimenter le cerveau, soit c'est pour dire quelque chose. C'est compliqué. Non, mais Hugues l'a dit, l'avantage, c'est que l'équipe jeune, l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas connu aussi les défaites précédentes. Mm-hmm. Et je pense qu'il y en a plein qui vont vouloir montrer de ce dont ils sont capables. Eh bien, j'ai hâte d'être dans le débrief pour faire le point sur le premier match de cette jeunesse. L'Angleterre, maintenant l'adversaire de l'équipe de France. On va vous remettre les cotes de ce match et vous rappeler les cotes boostées aussi. Vous avez encore une dizaine de minutes pour parier dessus. La double chance marqueur d'essai, Johnny May ou Teddy Thomas de 1,60 à 1,75. Et la deuxième cote boostée, l'Angleterre gagne. 66% de nos joueurs ont misé sur l'Angleterre. C'est pour ça qu'on essaye de vous faire plaisir. L'Angleterre gagne et moins de 40,5 points dans le match. Donc une victoire étriquée de l'Angleterre. Bien évidemment, je vous demanderai vos pronos après, vous n'y échapperez pas. La compo du 15 de la Rose. On va la regarder rapidement en image. Très peu de changements. Hugues, ce 15 anglais, c'est très fort. On a Itoji, on a Sinclair, des joueurs qui ont marqué. On a Ford, on a Farrell qui est là. Et tu parlais de l'absence du 15 dont le nom nous a échappé. C'est Furbank qui le remplace. Exactement. Et je pense que c'est un joueur très talentueux qui joue à Northampton, je crois. Je pense qu'il va faire un bon match dans une équipe aussi performante, il n'y a aucun doute. Maintenant, moi, quand j'ai vu l'équipe s'afficher, je me suis dit, où sont les Vunipola ? Et je me rappelle de la finale de la Coupe du Monde où la sortie de Sinclair très rapidement, remplacée par le pilier remplaçant, qui n'avait pas du tout été au niveau. Je me suis dit, comment on va faire ? Si Awas fait un gros match aujourd'hui, s'il est vraiment au niveau international, c'est peut-être là-dessus qu'on gagne le match. Et quand même, quand on enlève Vunipola en 8, même si Curry est très très bon, voilà, ça fait des différences pas possibles. Pendant la Coupe du Monde, cette troisième ligne, Curry, Underhill et Vunipola, c'était un des gros points forts de l'Angleterre. Sachant que la troisième ligne, c'est beaucoup de polyvalence parce que Curry est soi-disant troisième ligne, elle à la base. Lowe's est plus deuxième ligne que troisième ligne. Mm-hmm. Donc tu vois qu'il a un peu essayé de combler en mettant des joueurs un peu d'expérience qui savent ce qu'ils font, mais ce n'est pas leur poste de prédilection. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer aussi. Joe Marler, qui est en roue libre depuis 18 ans maintenant. Donc tu peux tomber sur un Joe Marler phénoménal, mais tu peux tomber sur un Joe Marler inexistant. C'est une chance aussi.
Sur le 15 anglais, Fabien, on est sur la continuité de la Coupe du Monde. Bonne ou mauvaise chose? Est-ce que ces joueurs sont en forme avec leur club? Parce que ceux qui redécouvrent l'Angleterre et qui n'ont pas forcément regardé, que ce soit la Coupe d'Europe ou le championnat anglais, est-ce qu'ils sont tous au top de leur forme? Est-ce que l'Angleterre est aussi forte qu'on l'imagine? Ça, je ne saurais le dire, mais en tout cas, elle a toujours ce socle et cette histoire commune sur lequel se baser. Et Eddie Jones a fait le choix justement de garder ses presque trentenaires comme Lowe's, Farrell, qui ont presque 30 ans et il va les amener certainement jusqu'à la Coupe du Monde. Ils auront 32-33 ans et il bâtit déjà l'effectif sur eux. Marler, 30 ans également au poste de pilier. George, 30 ans au talonnage. Moi, je pense que Eddie Jones mise et prône la continuité et que cette équipe saura jouer ensemble et saura nous faire déjouer, malheureusement. Les points forts, Hugues, de ce 15 de la Rose, sur quoi il va falloir être méfiant pour, Les points forts, déjà, il y a cette association Ford-Farrell, 10-12, qui fait des dégâts, qui a été incroyable à la Coupe du Monde, qui est capable de s'adapter aussi en plein match. Parfois, Eddie Jones en sort un des deux, repositionne Farrell en 10. Je les trouve tout bonnement incroyables. Après, il y a encore une fois le match dans le match, Tulagi-Vakatawa, en 13. Et bien sûr, voilà, le niveau de performance de la mêlée anglaise qui est vraiment reconnu, et notamment Jamie George pour ça, le talonneur. On va voir ce que ça donne. T'as raison quand tu parles de Marler qui peut être énorme et qui peut passer à travers aussi. Ça dépendra surtout de nous, finalement, la mêlée, je crois. Et moi, ce nouveau deuxième ligne, le 5, que je connais pas beaucoup, je suis curieux de le découvrir et voir quel niveau il peut avoir. Sachant que la saison dernière, l'an dernier, pour le tournoi destination, Farrell nous a fait très mal avec du jeu au pied dans le dos. Je pense que ça peut jouer beaucoup aussi. S'il est aussi inspiré que l'an dernier, ça va faire mal. Après, on n'a pas le même triangle derrière que l'an dernier. Mm-hmm. Donc, si on arrive à combler ça, ça peut les faire déjouer. Itoje, un monstre. Rien à dire. Cette Coupe du Monde, il avait été monstrueux dans ce mondial. On en a parlé souvent en plateau. Comment le contrer? Comment faire en sorte qu'il ne rayonne pas? Comment qu'il sorte du terrain? C'est le seul. Mais ça peut être une stratégie. Ouais. Envoyer les pieds dans les. Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bloquer ce monstre sur le terrain? Il est très bon. Il est très bon partout. Dès qu'il y a une phase de contact, il est très bon. Dès qu'il faut chacailler, comme on dit, embêter l'adversaire, il est là. Que ça soit en touche, il peut ne pas attraper le ballon en touche en défensive, mais il sera là pour mettre les mains dans le mol, pour nager, pour contrer le jeu au pied du numéro 9, pour faire du trash talking. C'est un véritable poison. C'est un véritable poison et personne n'a trouvé encore de solution pour réduire son impact sur le jeu. C'est bien dit. Fabien parle du trash talking, c'est important parce que Eddie Jones face l'a déjà commencé. Face à des jeunes aussi, ça peut... Voilà. Et puis Eddie Jones l'a déjà commencé en conférence de presse. On aurait dit Montpellier face au PSG. Je pense qu'il est un peu rentré dans la tête du staff parce qu'on a vu la réponse d'Ibanez et de Galtier qui a été vraiment hardcore, quoi. Je pense que les mecs, ils l'ont pris au premier degré direct. Et j'ai pas envie que ce soit rentré dans la tête des joueurs, quoi. Je veux bien que tu sois combatif, mais faut pas que tu te dises on va aller chacaler parce que t'as tout à perdre. Les joueurs rentrent sur la pelouse. On a vu un Olivon très très concentré, déjà marqué au front. Juste avant d'aller s'installer pour commenter, Fabien et Lucas, votre petit pronostic pour ce match, un écart de points, qu'est-ce que vous voyez sur ce match? Moi, je vois une courte victoire de la France entre 1 et 5 points. Une courte victoire de l'équipe de France de 1 à 7 points, voilà. 4-60. C'est le prono de Lucas. Hugues? Eh bien, je vais être optimiste comme depuis le début. Je vois une victoire française de environ 10 points. 8 à 14, à 9. Une grosse confiance sur la nouvelle génération et on en parlera à la fin. Fabien, on donne un pronostic logique? Oui, bien sûr. Ce sera une victoire de l'Angleterre de 8 à 14 points, du coup. Eh bien, ça sera 3,85. C'est exactement le même que le mien et qui va en rapport avec la cote boostée. Fabien, Lucas, je vous laisse aller vous installer sur le plateau, chanter la Marseillaise. On se retrouve. Putain, on fera une petite pause à la mi-temps quand même. Hugues, allez. On se retrouvera tout à l'heure à la mi-temps. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce? Qu'est-ce que tu penses? Le début de match, est-ce que le début va être important? Comment tu imagines ce début de match? Plutôt français, plutôt anglais? Le début de match, pour placer la barre au niveau de l'intensité, répondre à l'agressivité anglaise et se mettre en confiance pour les jeunes joueurs. Voilà, réussir le premier geste. Et à partir de là, on pourra se lâcher pleinement et rentrer dans ce match, croquer dans ce crunch comme ça le mérite. La France 12, Angleterre 38, nous dit Docteur, j'ai mal à mon cul. Désolé encore une fois pour le pseudo. Un petit rappel encore, vous avez encore 5 minutes pour parier sur les codes boostés. Double chance marqueur, c'est comme les double chances buteurs pour le football. Johnny May et Teddy Thomas, si un des deux marque un essai, c'est une cote à 1,75 qu'on vous propose.
et l'Angleterre gagne et moins de 40,5 points. Je crois que c'est une cote à 3 pour les cotes boostées. Voilà, on a fait le tour de cet avant-match. God Save the Queen résonne au Stade de France, le Stade de France qui a fait quasiment le plein. Ça fait plaisir. Ça sera peut-être pas forcément le cas la semaine prochaine. Non, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Hein. Il y a des gens qui attendent le renouveau du 15 de France. Les petits jeunes qui séduisent beaucoup en équipe de France. On vous salue, on va donner la parole à Fabien et Lucas qui vont être motivés comme jamais. Ils vont pouvoir faire vivre ce crunch, le premier match du tournoi destination France-Angleterre au Stade de France. Coup d'envoi dans quelques minutes. La place est aux hymnes pour le moment. Nous, on se retrouve à la mi-temps avec Hugues pour débriefer ces 45 premières minutes. Et on se retrouvera à la fin du match pour un débrief complet avec Lucas. Allez les Bleus et à tout à l'heure pour le débrief de cette première période. Ciao, ciao. Bon Fabien, on y est, c'est l'heure des hymnes. Là, on les voit, ils sont concentrés, très concentrés sur la Marseillaise. On voit Mohamed Awas qui en transpire même. Tu serais à sa place ? Tu penses que tu en transpirais aussi ? J'aurais les mêmes larmes aux yeux et même les mêmes gouttes sur le front que lui. Là. Il me donne de l'émotion. On a aussi vu les Anglais, notamment Johnny May, qui est quand même un habitué de ses joutes internationales, de ses hymnes, de ses avant-matchs. Il avait les larmes aux yeux à la fin du « God Save the Queen ». Ça représente beaucoup de jouer pour son pays, de chanter l'hymne national. Et on a vu 30 joueurs prêts à en découdre et prêts à tout donner. Là, ils sont au Stade de France, un stade vraiment comble aujourd'hui. Ils ont fait guichet fermé. Ça va être hyper important. Pour toi, s'il y a un duel à sortir de ce match, ce serait lequel ? Comme on l'a vu un peu dans l'avant-match, ce serait Vakatawa Tulagi. Vraiment ouais, un duel exceptionnel. Deux joueurs aux ascendances et aux origines iliennes du Pacifique. Tulagi, Samoan, Vakatawa, français. Tous les deux naturalisés pour Tulagi, anglais, Vakatawa, français. Fidjien, excuse-moi pour Vakatawa tout à l'heure. Bon bref, toujours est-il que ces deux joueurs-là sont fantastiques. Ils peuvent être très puissants. Ils peuvent être aussi également très fantasques. Faire la différence tout seul. Amener l'équipe, leurs équipes dans leur sillage. Donc c'est vraiment quelque chose et un duel qui promet. Voilà. Sachant que l'équipe d'Angleterre, donc on en a un peu parlé tout à l'heure, il y a plusieurs absents, les frères Vunipola, Anthony Watson à l'arrière. Oui. L'équipe de France aussi, Damien Penaud, forfait de dernière minute. Thomas Ramos qui n'est pas là, plusieurs choix du coach. Aujourd'hui, c'est vraiment premier match de l'ère Galtier, premier match pour plusieurs joueurs. On en a parlé, Anthony Boutier ou Mohamed Awas. Là, c'est ce qui va définir tout le tournoi, quoi. Ah oui, totalement. En tout cas, il va falloir qu'il soit présent sur l'état d'esprit. Sur l'état d'esprit, Ibanez, qui est le manager général du 15 de France, a beaucoup basé son discours sur le respect du maillot, sur l'histoire, sur le don de soi. Donc on doit attendre des joueurs exactement ces choses-là sur la pelouse et on peut s'attendre à ce qu'ils soient présents dans ces domaines-là. On vient de voir Ficou encourager Awas pour sa première sélection. Ficou qui a 52e sélection aujourd'hui. Hein. C'est quand même solide, c'est le joueur qui a le plus de sélections en équipe de France. On voit Teddy Thomas là à l'image, Teddy Thomas qui peut être le facteur X de ce match. On connaît Teddy Thomas qui a eu quelques erreurs par le passé, oui. Notamment sur le terrain, un peu trop fantasque. Mais voilà, il peut créer un décalage à tout moment. Ah, il est exceptionnel. On l'a vu avec le Racing, meilleur marqueur du Racing cette saison. Teddy Thomas, il est à une dizaine d'essais, un peu plus même, toutes compétitions confondues, en Coupe d'Europe et en Top 14. Et l'arbitre de la rencontre, Nigel Owens. Ce fameux Nigel Owens. Que j'apprécie pas forcément, mais en espérant qu'il soit juste et qu'il arbitre correctement les débats. Voilà. Le coup d'envoi, j'ai l'impression que ça va être Owen Farrell qui va le donner avec l'Angleterre. C'est George Ford, pardon, autant pour moi. Ouais. George Ford, là, on y est. Quelques secondes du début de la rencontre. Qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là ? Moi, qui suis encore joueur, à ce moment-là, on a souvent un palpitant qui est présent. Moi, perso, je m'essuie les mains et je suis prêt. Et j'essaye déjà de déterminer si le ballon va arriver dans ma zone ou pas. Mm-hmm. J'essaie de voir si le 10 adverse me donne des codes, me donne quelque chose à décrypter. Sinon, quand on tape le coup d'envoi, je suis prêt à sprinter le plus vite possible pour aller sur l'opposant.
On est bien. Alors c'est parti, George Ford donne le coup d'envoi et il tape à peu près sur les 22 mètres de l'équipe de France hein, d'entrée. Voilà, et Aldrit récupère le ballon et il prend déjà la razzia, le numéro 13, Tulagi et Underhill après sur le rable. Il a heureusement été agile dans ses attitudes de contact pour libérer le ballon. Voilà, d'entrée, le 15 de la Rose met tout le monde d'accord. Hein. Tulagi, il a mis une grosse pression sur Aldrit. Là, on joue un premier temps avec les avants et Dupont qui va essayer de sortir de son camp assez proprement. Voilà, il l'a fait de manière royale durant toute la Coupe du Monde. Donc, il ne devrait pas avoir de soucis sur ce côté-là également aujourd'hui. Il est vraiment pris de la maturité dans son jeu et il est vraiment très, très à l'aise dans le domaine. Dupont qui ne trouve pas la touche. Hein. On a du Furban qui relance et la première possession pour les Anglais à hauteur de la ligne médiane avec Youngs qui sert Ford et une première chandelle tapée par l'ouvreur anglais. Oui, voilà, les Anglais ne vont pas s'embarrasser avec le ballon. Ils vont rester fidèles à leur tradition qui est le pragmatisme. Et c'est une chandelle qui a été tapée sur Boutier. Donc Boutier qui vit ses premières heures au niveau international, très sûr sur son premier ballon haut. Et il dégage d'une magnifique ogive le ballon dans les 40 mètres anglais. Donc le début de match, il va être comme ça. Ça va être le round d'observation, un jeu de pression sur l'adversaire. On va attendre la première faute pour véritablement déployer son jeu. Là, pour le moment, donc, l'équipe de France a plutôt bien joué le jeu en tenant la pression adverse. On a la première touche de la rencontre, le premier lancé sur les 40 mètres des Anglais avec Jamie George qui va lancer. Et il trouve direct Itoji. Hein. Il y a pas de souci pour la mise en place d'un ballon porté. Voilà, et bien évidemment, un mol à l'ancienne du côté anglais. Ils vont rarement jouer. Ils vont attendre vraiment la faille adverse. Et voilà, immédiatement, un mol qui ne progresse pas, un gros jeu au pied de pression pour Atès qui s'en sort avec Vista et qui prend Itoje sur le rab juste après. Rates qui a tenté de relancer depuis ses 40 mètres, poussé en touche d'entrée. C'est compliqué, là, 2 minutes pour le moment, c'est très compliqué de la part des Français. On voit une grosse pression anglaise. Boutier s'en est bien sorti, Rates a tenté de relancer mais a été poussé en touche. Ils ont de l'ambition, ces Anglais-là, Fabien. Oh ouais, totalement. Ben, ils sont... Voilà, ça y est, ils viennent de déployer le jeu suite à la deuxième touche gagnée en 2 munitions possibles. Ils tentent un mol au milieu du terrain. Oh là là, autour du pilier, c'est bien joué. Le mol est constitué, attention. Un mol dans le jeu courant, c'est assez rare. Et c'est très difficile à contrer. Heureusement, les Anglais sont passés au sol tout seuls. Et la charnière a sorti le ballon. Voilà, Ford qui a trouvé une touche après ce mol, une touche devant les 22 mètres français. La France, le 15 de France, est toujours bloqué dans son camp pour le moment. C'est difficile d'en sortir, mais elle a la possession avec cette touche à venir. Premier lancé pour Julien Marchand. Voilà, on va voir tout de suite si le talonneur de Toulouse est au point avec un alignement à 5 joueurs. Voilà. Mais donc les Anglais ne s'embarrassent pas avec le ballon. Ils nous le donnent, mais ils nous le donnent dans une situation pas vraiment favorable et ils espèrent en retirer quelque chose. Voilà, le lancer a été un poil haut et c'est Underhill qui le récupère en fond d'alignement. Ça y est, le ballon anglais, maintenant on va voir des obus arriver. Youngs, avec Ewells. Et là, les Anglais qui sont à 5 mètres de la ligne d'en-but française. Courtney-Laws qui charge maintenant. Oh là, Courtney-Laws qui gagne du terrain. On est toujours à 5 mètres, c'est difficile là de défendre. On a vu un Tamac perdre du terrain face à Courtney-Laws. Et Youngs qui sort le ballon pour Ford. Ford, oh là, en avant de Curry. C'est récupéré par Ntamack. Ntamack qui tape au pied tout de suite. Hein. Il s'embête pas, Ntamack. Ouais, hein. Il s'embête pas, mais ça tombe directement dans les bras de Daly. Daly est très dangereux. Il est plaqué, heureusement, au niveau des 22 mètres. Et les Anglais vont remettre la main sur le ballon. Ils sont dans un temps fort, là. Ils sont dans un temps fort. Bonne pression de Aldrit qui a mis la pression sur Kyle Sinclair. Le ballon est bleu. C'est un ballon de récupération. C'est vraiment la grande spécialité du rugby français, le ballon de récupération. Et là, on passe au sol, on est dans les 40 mètres de l'équipe de France. Baye, première charge. Baye qui gagne du terrain, hein, qui se fait pas plaquer par Farrell. Et on est dans Dupont les 40 anglais. Vite, hein. Et dans les 40 anglais, maintenant, c'est à notre tour de leur mettre la pression. Ntamack vient un jeu au pied, long, accule Furbank dans ses 15 mètres. Et Furbank qui dégage en catastrophe un peu face à la pression française. Il trouve une touche au-delà de ses 40 mètres, mais ça a été délicat hein, pour l'arrière anglais. Première sélection aujourd'hui, on le rappelle. Et là, l'équipe de France a inversé la pression. Ouais, ils s'en sont assez bien sortis, étant donné le ballon difficilement capté et immédiatement récupéré par les Anglais. Alors que Courtney-Laws est au sol, il a mis un genou à terre, il semble avoir pris un choc sur cette action, il est pris en charge par le staff. L'Angleterre qui a été dans les 5 mètres français assez rapidement quand même. Et pour une fois, ils n'ont pas réussi à en sortir quelque chose, ce qui est assez rare étant donné leur pragmatisme habituel et ils sont assez énervants d'ailleurs, parce qu'ils marquent à chaque fois qu'ils sont dans le camp adverse. Ils sont assez énervants, on peut le dire, on est français, hein, faut pas se cacher, on est un peu chauvin aujourd'hui.
Marchand qui s'empare du ballon. Premier lancé pour le talonneur français devant les 40 mètres anglais. Et il trouve tout de suite Olivon qui dévie pour Dupont. Dupont vers Ntamack. Et il écarte le jeu sur l'aile opposée. Hein. Vakatawa qui attaque la ligne. Vakatawa qui gagne du terrain face à Farrell. Ouais, et ça y est, le jeu français se met en place. On retrouve les avants après au proche du ruck. On va voir quelles sont les intentions françaises. Le but du jeu, là, c'est de porter le ballon maintenant qu'on est dans les 40 anglais afin de mettre la pression. Grosse charge d'Aldrit à l'image là, à l'instant, qui gagne du terrain en avance. Hein. Oui, et Thomas qui commence à percer. Teddy Thomas, oh là là, il est incroyable ce joueur, on vous l'avait parlé. Il a percé grâce à Dupont qui a. Oh là là, il touche le poison, encore fait sa spéciale. C'est pas possible. Quel percée Teddy Thomas, l'équipe de France dans les 22 mètres adverses. Là, on est à une dizaine de mètres de l'embute à peu près. Ballon pour Dupont qui extrait. Allez, Ntamack vers Ficou. Ficou qui attaque la ligne. Hein. Ficou qui casse le plaquage de Sinclair. On est à 5 mètres maintenant, on avance, l'équipe de France avance. Hein. C'est extrait très, très rapidement le ballon. Ouais, là. Ouais, et là, ça va être un jeu à une passe. Vraiment de la puissance pure qui va nous permettre d'avancer, de grappiller ces 5 derniers mètres. Dupont qui joue avec ses avants qui gagnent du terrain, qui essaie de gagner du terrain, mais c'est pas évident. Ntamack qui combine, revient à terre. Sur Ratez, c'est Vincent Ratez. Le premier essai de l'équipe de France pour Vincent Ratez. Et voilà, il marque son premier essai en bleu, le Rochelet, 5e sélection. Magnifique, l'équipe de France, 6e minute de jeu, essai. On pouvait pas rêver mieux. Exactement, vraiment, vraiment, début sur le chapeau de roue. Ben voilà, c'est à notre tour d'être pragmatique. Dès notre premier ballon dans les 22 mètres anglais, dès notre premier temps fort, on a marqué un essai. On a alterné le jeu au ras avec les avants. Et après, on a inversé le jeu avec Ntamack. Et Ratez a gagné son duel par la suite pour marquer l'essai. On a un retour intérieur de Ntamack sur Ratez qui casse le plaquage de Youngs. Ouais. Magnifique, décolle. Celui-là, il est travaillé à l'entraînement, tu peux nous le confirmer. Oui, je pense que ce mouvement, ou en tout cas cette venue intérieure de l'ailier est prévue, est annoncée. Et après, ben, le duel, il est gagné par Ratez avec plein de brio. L'équipe de France qui prend donc déjà les devants à la 6e minute de jeu. Hein. 5-0 pour l'équipe de France. On va avoir une transformation d'Ntamack. Il est sur la ligne des 22 mètres. Il est légèrement décalé sur la gauche. Ça peut le faire pour Ntamack. Oui, pour un joueur de ce calibre-là, ça va le faire. Alors, Romain Ntamack qui se prépare. 6e minute de jeu, c'était vraiment inespéré. Il s'élance. Et ça passe entre les poteaux. Super. Pour Ntamack. 7-0 pour l'équipe de France. Fabien, regardez, c'est magique. Exactement, bien sûr que c'est magique. On a une équipe de France exceptionnelle qui vient de marquer un essai. On va tout de suite mettre un free bet en jeu pour nos Winamis. Le premier free bet de la rencontre. Oui. Dans quel club joue le numéro 8 du 15 de France, Grégory Aldrit? Alors là, c'est... Pas plus compliqué. Hein. On en a parlé en avant-match. Vous l'avez. Et donc, avant le coup d'envoi, le renvoi de George Ford, répondez à cette question pour gagner 5 euros de free bet. Superbe coup d'envoi de George Ford qui oblige Aldrit à sortir avec le ballon. Aldrit qui a été donc mis sous pression dans ses 22 mètres et poussé en touche, voilà, par Marleur notamment et Tuilagi. Bah, c'est simple. Aldrit a pris le ballon et deux Anglais en même temps qui l'ont poussé en touche. Donc ça, c'est bien sûr également travailler à l'entraînement. Comment remettre la pression sur l'adversaire après avoir pris des points? Eh bien voilà, c'est fait. Et les Anglais se retrouvent dans nos 22 avec et peuvent touche, déployer le jeu. Un lancer dévié par Itoji. Tuilagi en premier attaquant. Oulala, Tuilagi qui gagne du terrain face à Ntamack. C'est pas la même puissance pour les deux joueurs. Ouais. Et là, on est dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ça y est, l'équipe d'Angleterre commence à se mettre en place. On a Ewells qui charge et là, Youngs y fait jouer ses avants. Voilà, bah ça va être la même chose, un petit jeu. Oh là 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 là. Ils avaient tout de même réussi à créer un décalage, les Anglais, mais il y a eu un en avant, l'arbitre laisse l'avantage, pourquoi pas. Teddy Thomas qui tente quelque chose en tout cas, qui donne le ballon à Boutier, qui le tape le plus loin possible. Ça va être une touche pour les Anglais dans nos 40 mètres, mais c'est très bien. La France, pour l'instant, a vécu deux possessions défensives dans ses 22 mètres et n'a pris aucun point. À chaque fois, les Anglais ont balbutié leur rugby. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça fait deux en avant pour le 15 de la Rose dans les 22 mètres français. C'est plutôt pas mal pour le moment. On voit les cotes à l'écran. Hein, l'équipe de France qui, avec cet essai, a une cote à 1,88 maintenant pour la victoire finale. L'Angleterre qui a 1,64. Et une touche très, très mal jouée par l'Angleterre. Perdue, récupérée par Marchand qui s'infile dans le camp adverse, qui avance. Et là, ballon récupéré par les Bleus qui charge, mais c'est perdu. On avait gagné 15 mètres, mais on a fait un en avant immédiatement derrière. Et ça va être donc la première mêlée de ce match qui va avoir lieu. On en a parlé en avant-match, la mêlée avec Mohamed Awas, première sélection, oui, face à Joe Marler. Ça va être très important. On est sur les 40 mètres anglais. Première mêlée de la rencontre, introduction Ben Youngs.
qu'est-ce qu'il faut faire sur cette mêlée, mon Fabien, pour réussir à leur montrer d'entrée ce qu'on veut? Alors là, avec les nouvelles règles qui ont réduit la distance entre les deux premières lignes, ce qui est le plus important, c'est de gagner l'impact. Les deux premières lignes, vous allez voir les piliers se mettre tête contre épaule. Ils vont vraiment être très proches. Il y a très peu de centimètres à gagner, mais il faut vraiment jaillir pour bien se placer et désarçonner l'édifice adverse. On a un pack assez solide, mais les Anglais ont un pack plus lourd que nous. 893 kilos pour les Anglais, 872 pour l'équipe de France. Et c'est parti, la mêlée se met en place. Ben Youngs qui introduit, et c'est assez stable. Même si les Anglais, dans une deuxième poussée, arrivent à avancer. Et c'est ballon récupéré par les Bleus avec Olivon. Oui. Olivon qui sert Dupont. Et on est dans les 40 mètres du 15 de la Rose maintenant. Ficou qui joue au pied, qui tape à suivre. C'est un peu trop long, ça va directement en ballon mort. Et ça sera donc une nouvelle mêlée pour les Anglais, à l'endroit où Ficou a tapé le ballon. Une première mêlée assez sympa pour la France, Fabien. On a vu le 15 de la Rose prendre le dessus, mais le ballon mal négocié en sortie. Voilà, exactement. Ce qui a permis à Dupont de s'immiscer dans l'édifice et de récupérer le ballon. Malheureusement, on n'a pas su en faire grand-chose. Donc là, il va falloir être très vigilant à cette mêlée-là. Je voudrais juste revenir un peu sur la mêlée, sur l'expérience ou l'enthousiasme. Voilà, on est toujours en tant qu'entraîneur face à ce choix-là. L'Angleterre, 31 sélections, 45 sélections, 68 sélections pour les trois premières lignes. Chez nous, 0 sélection, 2 sélections, 17 sélections. Sachant que 17, c'est Cyril Bailly, 26 ans, ce qui n'est pas non plus énorme pour un pilier. Donc, la deuxième mêlée de la rencontre, c'est maintenant. On a pris, les Anglais ont pris l'ascendant sur la première mêlée, mais on a récupéré le ballon. À voir maintenant cette deuxième mêlée ce que ça va être. C'est parti, Youngs introduit, et c'est encore une domination anglaise. Hein. Voilà, sans qu'il y ait pour autant de pénalités. Donc les Anglais décident de mettre la pression une nouvelle fois sur Boutier, qui est une nouvelle fois royal sous les airs et qui a gagné son duel. Le ballon est disponible pour les Français au niveau des 40 mètres. Et c'est parti, Dupont qui joue avec Olivon. Dupont qui a fait jouer son avant, histoire de s'ouvrir un peu l'angle, de se favoriser un jeu au pied. Exactement. Et là, il tape une chandelle malgré la pression de Jamie George. C'est contré, ça va directement en touche. Un peu avant les 40 mètres anglais, mais ça va être un lancer pour l'équipe de France. Il a été contré. Voilà, exactement. Le jeu au pied a été contré. Donc la possession sera française. On revoit Boutier là à l'image. Boutier, pour l'instant, dans les airs impériales. Il subit pas la pression. Ouais. Il gère parfaitement cette première sélection, Boutier. Exactement, ouais. Mais il est fidèle à lui-même, serein. Serein et efficace. Allez, c'est parti maintenant avec le lancer pour Marchand, un nouveau lancer. Qui est pris par Olivon et qui dévie Ntamack pour Ficou. Ficou qui combine avec Teddy Thomas, qui prend un gros plaquage mais qui passe le ballon. Ça vient maintenant sur l'aile pour Vincent Rathez qui arrive et qui est repris devant les 22 mètres anglais, Fabien. Ouais, ouais. Et oh là là, mais c'est incroyable. Dupont, ça fait tout de même la troisième fois qu'il est chassé en bord de ruck dès qu'il porte le ballon. C'est la troisième fois qu'il est chassé. On voit les Bleus qui ont combiné en sortie de touche, les Bleus. Ils sont vraiment pas mal. Et là, ça fait rail dur, hein. La bataille d'avant, là, ça fait rail dur. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les Anglais vraiment. On parle souvent comment annihiler la force de l'adversaire. Avant le match, on ne savait pas trop comment faire avec Itoje. Mais les Anglais ont un plan très précis pour Dupont, quoi. Ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'ils l'emmerdent. Donc, ils ont bien préparé leur match. Avec une chandelle tapée par Ntamack sur les 40 mètres anglais. Teddy Thomas qui est dans les airs, prend le dessus sur Elliott Daly et trouve Olivon qui s'infile dans les 22 mètres adverses. Ficou maintenant qui tente de percer tout seul, qui charge, qui gagne du terrain aussi. On avance bien là, Fabien. On est dans les 22, ça vient en cut avec Vakatawa qui était attendu. Mais il reste debout, il est incroyable ce joueur. Owen Farrell s'est fait mal. Ça joue toujours. Dupont qui virevolte, qui rebondit. On est à 5 mètres de la ligne. Ça va jouer proche, là. Ça va jouer proche. On est à moins de 5 mètres maintenant. C'est Ficou qui sort le ballon, qui charge avec Bailly dans son dos. C'est les Anglais défendent bien, mais qu'est-ce qu'il l'équipe fait, de France, il y a une pénalité, là. Il y a un Anglais qui a chargé sur le côté du ruck. Monsieur l'arbitre ne dit rien. Et Dupont qui sort le ballon. Dupont dans le fermé avec Vakatawa. Vakatawa repris devant la ligne, repoussé par les Anglais. C'est dur, ça va jouer avec les avants là, Fabien. Il faut gagner terrain là. Il faut gagner du terrain, le ballon est lent. De toute façon, on ne peut plus faire de passe. On a Willem C qui a tenté de charger, qui a commis un en avant voulant charger. L'arbitre revient à une pénalité pour l'équipe de France après une charge sur le côté du ruck. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Les points, la touche? Il faut faire quoi là, Fabien? C'est toujours compliqué, mais moi je suis un partisan de prendre les points dès qu'ils sont présentés à nous. Et c'est le choix qu'a fait Charles Olivon. Et donc là, on va se présenter. On était sur la droite du terrain, vraiment sur l'aile droite. Et là, c'est Ntamack qui va buter. Première pénalité pour Ntamack. Pas évidente, parce qu'il va reculer. On va être sûrement aux alentours des 25 mètres.
très excentrée sur la droite, elle n'est pas évidente. On se souvient d'Entamac face au Pays de Galles, un peu un manque de précision. Là, un match important, tu penses qu'il peut le faire ? Oui, bien sûr. Oui. Aucun doute sur lui. C'est vraiment un joueur plein de maîtrise, plein de sang-froid, qui est reconnu pour son habileté dans les tirs au but. Alors que Vakatawa est resté au sol sur cette action. Il a été servi dans le fermé par Dupont. Il a été vraiment chassé par les Anglais. Il est resté au sol. Entamac a posé son ballon. On est à 22-23 mètres, excentré à droite des poteaux. Il se concentre. C'est le moment de marquer. À un quart d'heure de jeu maintenant, pour prendre une avance et se protéger d'un essai adverse. Et les Anglais qui ont usé de malice en se déplaçant. Vous savez, quand un joueur prépare son jeu au pied, les autres joueurs ne doivent plus bouger. Les adversaires ne doivent plus bouger. Et les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont bougé, style de rien. Et ça a obligé Nigel Owens, l'arbitre, à intervenir et à sortir Romain Entamac de sa routine habituelle qui est ancrée en lui. Donc on le voit se reconcentrer de nouveau. Et il va bientôt s'élancer pour tenter de mettre ce ballon entre les poteaux. Romain Entamac, c'est parti, qui s'élance. Et ça passe entre les poteaux. C'est parfait pour Romain Entamac. 100% au pied, 10-0. Début match rêvé pour le 15 de France. Ah oui, là vraiment, on est présent, on joue bien et on gagne la plupart de nos duels. Pour ceux que ça intéresse, les codes du coup ont fluctué. Les voici à l'écran. Voilà, on retrouve l'équipe de France du coup à 1,58. Et on a un premier changement. On a vu Farrell sortir, touché sûrement au coude. Et c'est le numéro 23, c'est Jonathan Joseph. C'est pas n'importe qui rentre. Mais il va sûrement y avoir une réorganisation sur la ligne des trois quarts parce que Jonathan Joseph, pas forcément centre. On va peut-être voir. En fait, il y a deux numéros 13, quoi. Tulagi et lui jouent numéro 13. Donc c'est ça qui va être intéressant, voir qui va prendre le numéro 12. Sachant que dans le système anglais, on est plutôt habitué à avoir deux numéros 10 sur la pelouse. Que ça soit Ford ou Farrell ou parfois Slade quand il joue également. Mais du coup, premier coup dur pour les Anglais avec cette sortie prématurée de Farrell sur blessure. Qui est leur capitaine. À la 16e minute, qui est leur capitaine et qui est un vrai leader pour eux sur le terrain. Et donc là, c'est reparti. On a eu le renvoi. Antoine Dupont dans ses 22 mètres qui joue avec ses avants, qui s'ouvre l'angle pour sortir proprement de son camp. Et regardez, c'est Itoje qui, incroyablement, on ne sait comment, a réussi à récupérer le ballon sur le placage. Et maintenant, les Anglais ont une possession dans nos 22 mètres. Ils sont dans l'avancée. Avec Youngs qui tente de s'échapper. Il a joué avec Lowe's en premier lieu. Il tente de s'échapper et c'est parti. Là, les avants anglais qui ferraillent et qui tentent de gagner du terrain. Mais la défense française tient bien. Marler, une charge de Marler maintenant. Bien, bien pris par Aldrit. On voit Itoji encore qui travaille dur. Hein. Et c'est parti. Les Anglais qui tentent de combiner. Jonathan Joseph maintenant qui rentre dans les 22 mètres français toujours. Youngs qui extrait rapidement. Ford voilà, sur le côté pour Elliot Daly. Et Teddy Thomas qui est allé au placage, qui a bien repris l'ailier adverse. Ah ouais, du bout des doigts, c'est bien joué. Les Anglais déploient un jeu assez simple. Donc la défense française doit rester en place, doit rester ensemble, doit se connecter. On est sur une nouvelle séquence de possession pour les Anglais. Avec maintenant une charge de Underhill. Hein. On connaît Underhill et sa puissance, mais la défense française tient bien. Elle gagne du terrain, elle repousse les Anglais. Elle est agressive, cette défense française. Elle monte vite, elle monte très vite et elle repousse les Anglais. Depuis le début de la possession anglaise, et des plaquages virulents. On empêche les offloads, on empêche les passes après contact. Oui, tous les joueurs français sont sur les pieds. Voilà, maintenant, on est sur les 40 mètres du 15 de France. Maintenant, t'imagines, on a gagné plus de 20 mètres là, sur cette action. Et la défense française, impossible à franchir pour le moment. Elle est exceptionnelle. Hein. Elle ferraille, regarde les plaquages. Là, par exemple, il y a eu un joueur anglais qui a été pris par trois Français différents. C'est les Anglais qui ne savent plus quoi faire. Furbank qui est repoussé, qui ne sait plus quoi faire. La défense française est énorme, on peut le dire. Ah ouais, vraiment. Là, c'est vraiment quelque chose. Après, il faudra tenir tout le match. Mais là, c'est vraiment remarquable d'engagement et de précision. Et du coup les Anglais, Ford qui est obligé de jouer au pied, du coup qui tape une chandelle pour mettre sous pression Entamac. Pas de problème, il n'y avait pas d'Anglais sur le coup. Entamac qui réalise un arrêt de volée dans ses 22 mètres. Nouvelle séquence défensive impeccable des Bleus qui, malgré les charges anglaises, ont tenu, ont repoussé, ont gagné du terrain et qui là vont pouvoir se dégager grâce à Entamac. Vraiment un début de match remarquable des Bleus qui sont vraiment très bien préparés et surtout présents sur la pelouse. 19e minute de jeu maintenant, Entamac qui tape au pied, qui trouve une touche dans le camp adverse. C'est rapidement joué par Ford pour dynamiser un peu tout ça. Et ça va être à la relance pour les Anglais. Ouais, et c'est Fairbank qui, pour sa première sélection, est plutôt audacieux. Mais c'est loupé ce qu'il a tenté. Il a tenté un petit jeu au pied par-dessus. Hein. C'est Dupont qui l'a récupéré. Exactement. Et Dupont qui s'est fait plaquer sur ses 40 mètres. Et là, on repart avec du jeu d'avant dans les 40 mètres français. Possession pour les Bleus. Possession pour les Bleus et Itoje est réellement incroyable dans chaque phase de contact où il est présent.
J'ai rarement vu un joueur autant empoisonner l'équipe adverse. On va partir sur un jeu au pied de Dupont maintenant, qui a pris Cyril Bailly pour se protéger. Dupont qui tape une chandelle, c'est une nouvelle fois contré par Itodje, justement. Tu l'avais vu venir. Mais c'est récupéré par Rates qui s'échappe. Et ça joue, et ça Rates joue. Qui s'échappe, qui sert Olivon. Et Olivon qui part à l'essai. C'est un essai. Olivon qui part à l'essai pour l'équipe de France. Le capitaine des Bleus, Fabien. Magnifique. Le capitaine des Bleus. Mais va savoir pourquoi tout le monde s'est arrêté de jouer, sauf les deux Français, Rates et Olivon, qui ont bien manœuvré le 2 contre 1. Et Olivon, le nouveau capitaine français, joueur du Rugby Club Toulonnais, qui conclut cette action. Alors, pourquoi les Anglais se sont-ils arrêtés de jouer? Tout simplement parce que le jeu au pied de Dupont a été contré. Et on le rappelle, sur un jeu au pied contré, pas de hors-jeu. Exactement. Et les Bleus qui ont joué, qui ont récupéré le ballon par Rates. Rates qui s'est échappé. Voilà. 2 contre 1 face à l'arrière adverse sur Bank. Hop, parfaitement négocié en décalant. Ouais. Olivon sur l'aile gauche, dans les 40 mètres anglais à peu près, et Olivon après à la course, voilà. qui a conclu en coin. Tout de même, l'essai va être validé ou non par l'arbitrage vidéo, car la situation était vraiment bizarre. Voilà, Nigel Owens qui fait le signe de la vidéo, qui demande à son assistant de revoir sûrement la réception du coup de pied, hein, savoir un peu ce qui s'est passé, et on revoit donc Dupont qui tape, c'est contré par Itodje, plus de position de hors-jeu. Voilà. Le ballon à hauteur de la ligne médiane, qui atterrit dans les bras d'Olivon. Il y a peut-être un en avant sur le coup. Voilà, d'accord. Olivon qui réceptionne le ballon à hauteur de la ligne médiane, qui manque sa réception. Et le ballon part devant sur Rates. Mais il y a un Anglais sur le coup, c'est Courtney Lowes qui est là, à la lutte avec Olivon dans les airs. Alors, qui a touché le ballon? C'est touché par le capitaine du 15 de France, ce ballon. Ah, oui. On ne va pas se cacher. Qui a la lutte. Et c'est Rates qui le reprend devant. Donc, il y a sûrement un en avant français sur ce coup. Nigel Owens qui fait confiance à son assistant. Pour toi, Fabien? C'est assez dur à voir, là. C'est assez dur à déterminer, sans chauvinisme. Mais étant donné que le 14 s'arrête vraiment de jouer, le 14 anglais, il s'arrête vraiment de jouer, regardez, là. Il joue même pas le coup. Pour moi, ouais, honnêtement... C'est Johnny May, hein, qui s'arrête sur le coup, et ce qui permet à Rates de s'échapper dans la foulée. Sur ce coup, donc, soit il y a un en avant d'Olivon, signalé par M. Owens, et laissé refuser. On reviendra à une mêlée sur la ligne médiane à peu près pour l'Angleterre. Exactement. Soit Nigel Owens considère que Courtney Lowes touche le ballon en premier. Exactement. Mais ça m'étonnerait quand même. Ça a l'air assez clair quand même que Olivon commet un en avant sur cette action avant que Rates ne reprenne le ballon. Ah. 20e minute de jeu, Nigel Owens qui s'exprime avec Owen Farrell. Donc ça veut dire que... Il lui explique la situation. Ça sera un essai français. L'essai peut être accordé là. C'est un essai français. L'essai est accordé par Nigel Owens. Et voilà comment la France mène 15-0 au bout de 20 minutes Magnifique. De jeu. Magnifique. C'est parfait. Donc Owens qui a considéré que c'était Courtney Lowes qui avait touché le ballon Exactement. Dans les airs. Et que c'est et lui qui avait amené le ballon dans cette direction-là et non Charles Olivon. Exactement. Et donc là on est sur la transformation d'Entamac. 22 mètres en coin sur la gauche. Les Anglais qui sont tout simplement méconnaissables et les Français qui sont on fire et la transfo qui passe 17-0 au bout de 20 minutes de jeu. C'est magnifique. Exceptionnel là, Fabien. 17-0 pour l'équipe de France. 20 minutes de jeu, on ne pouvait pas rêver mieux. Et tu sais quoi? Pour ça, j'ai envie d'offrir un nouveau free bet à nos amis. T'as bien Parce raison. Que là, on ne pouvait pas rêver d'un meilleur début de match. Et du coup, nouveau free bet, le deuxième de la rencontre pour 5€ tout de suite avant ce crunch. Combien de sélections contre Mauro Itodje avec le 15 de la Rose? C'est pour vous, maintenant, tout de suite, avant ce crunch, combien de sélections contre Mauro Itodje avec le 15 de la Rose? 17-0 pour l'équipe de France, c'est à vous de gagner 5€. Là, tout est bon. Hein. Si vous êtes français, c'est tout pour vous. Hein. C'est un régal. La France, du coup, la cote qui a baissé, on l'a vu, Fabien. Ah ouais. 1,32 la cote de l'équipe de France, 2,50 celle de l'Angleterre. C'est un début de match parfait. Ah, un début de match idyllique. Vraiment un début de match inenvisageable. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Mais j'ai envie que ça dure, parce que ces derniers temps, hein, ils nous ont vraiment fait de tout, le 15 de France. Là, on a une... Donc, pourvu que ça dure. Une relance de Deli qui tape une chandelle. Non, c'est Furban qui tape une chandelle. À la réception, Awas qui s'empare du ballon dans ses 40 mètres. Et le soutien qui est très présent. Hein. Les avants français, ils s'y collent, comme on dit. Hein. Ah ouais, non, vraiment, tout le monde est présent. Très, très gros niveau de travail des 15 bleus sur la pelouse. Et Ntamak qui dégage au pied, qui sort de son camp, qui dégage loin, loin, loin devant dans les 22 mètres anglais. Et là, les Anglais qui vont jouer au pied, eux, pour trouver une touche, sûrement. Exactement. La touche n'est pas trouvée. La touche n'est pas trouvée par Farrell. C'est une séquence de jeu au pied. Là, le but, c'est d'occuper le terrain adverse, c'est ça? Voilà, et d'attendre la faute de l'adversaire au niveau du jeu au pied. Soit son jeu au pied va être moins long, soit son jeu au pied va être moins couvert par ses coéquipiers. C'est-à-dire que les avants, au lieu d'être actifs, vont rester plutôt lents et flemmards.
Donc c'est exactement ce jeu qui est en train de se mettre en place. C'est assez stratégique, assez lent. C'est déjà le cinquième échange de jeu au pied qui a lieu. Et là, on vient de voir qu'Eliott Daly a eu un jeu au pied très très long qui oblige... je vois pas qui c'est. C'est Boutier là qui est dans. Voilà, qui oblige Boutier à prendre le ballon dans ses 5 mètres, à être chassé par les Anglais. Et c'est donc une touche pour l'Angleterre aux 40 mètres. Mais Boutier joue quand même une très belle touche quand même. Ouais, au-delà de ses 40 mètres. Malgré tout, le jeu de rugby est un jeu de gain de terrain. Mm-hmm. Et dans ce jeu de ping-pong, on a perdu 30 mètres. Parce que la touche est pour l'Angleterre au niveau de nos 40. Et on faisait des jeux au pied des 22 aux 22. Donc on a perdu 30 mètres là dans l'histoire. Et donc la touche avec Courtney Lowes qui dévie le ballon. Et c'est pour Farrell maintenant. Farrell avec, oh là là, Jonathan Joseph, qui est pris direct sur les 40 mètres de l'équipe de France. Et le ballon est rapidement libéré pour Jimmy George, qui avance. Jimmy George qui a gagné du terrain sur sa charge. Ils ont un certain dynamisme collectif, mais Fairbank qui loupe quasiment tout ce qu'il tente aujourd'hui. Nouveau ballon échappé, Rates qui poursuit au pied à deux reprises. Et ça sera une touche pour les Anglais. Une touche pour les Anglais. La défense française est performante. Et le pauvre Fairbank loupe son match pour le moment. Beaucoup d'imprécisions de la part des Anglais qui ont commis déjà 3 en avant. Voilà. 2 dans les 22 mètres français, 1 à l'instant sur les 40 mètres. Et Rates qui en a profité pour taper au pied. Et du coup, aller occuper le terrain adverse. Avec une touche anglaise, certes, mais on est dans le camp du 15 de la Rose. Voilà. Moi, je vais reprendre le jeune Fairbank qui s'est loupé à 2 reprises. Donc lui, il est né en 96. Il a 23 ans. Sa première sélection. Ça n'a pas surpris grand monde en Angleterre qu'il soit titularisé par Eddie Jones, étant donné la blessure de Watson, et étant donné aussi le niveau de jeu qu'il a depuis le début de cette saison avec Northampton. Et là, c'est un lancer contré par l'alignement français. Lancer anglais contré, il n'y a rien qui va chez les Anglais là, depuis 24 minutes maintenant. Rien ne va. Et ballon pour les Français sur les 40 mètres averses et une charge de Hawass là à l'instant, bien repris par Itoje. Totalement. Alors là, c'est vraiment génial. Si la France se met même à piquer des ballons à l'adversaire, on va vraiment passer une belle après-midi. C'est un ballon perdu et une pénalité contre l'équipe de France. Je ne sais peut-être pas si ce n'est pas la première pénalité contre les Bleus depuis le début de la rencontre pour avoir conservé le ballon au sol. Ouais. Et les Anglais, du coup, Farrell ou Ford qui va sûrement taper pour trouver une touche dans le camp tricolore. Voilà, c'est Farrell qui va taper et revenir dans le camp tricolore. Écoute, c'est la première pénalité du match. On ne peut pas trop en vouloir. Bien sûr. Et là, Farrell qui trouve une belle touche. Hein. C'est même dans les 22 mètres français, on est à une vingtaine de mètres de l'embute à peu près. Là, c'est un ballon important pour les Anglais. Ah oui, il va être important pour eux d'assurer la prise de balle et d'en faire quelque chose collectivement par la suite. Il va falloir qu'ils sortent du camp français avec des points s'ils veulent espérer quelque chose. Alors avec un lancer maintenant pour Jimmy George, on est à peu près 5-6 joueurs là dans l'alignement. Fabien, tu me confirmes? Et c'est avec parti. Avec un numéro 9 en relayeur, donc ça sera certainement... Jimmy George qui trouve Itoje pour un ballon porté. Et c'est plutôt bien contré par l'équipe de France, là, d'entrée. Dans un premier temps. Mais attention, le ballon est bien au fond. Les Anglais qui commencent à avancer. Voilà, qui commencent à avancer, mais c'est extrait. Qui retrouve Farrell, son capitaine. Farrell en premier attaquant, bien plaqué par Ntamack. Hein, il est surveillé de près. Kyle Sinclair maintenant. Les Anglais gagnent du terrain. On est à une dizaine de mètres de l'embut. Ça y est, c'est parti. C'est extrait vite maintenant avec Underhill, la grosse charge d'Underhill, mais l'énorme plaquage de Bernard Leroux sur le coup. Et les Anglais qui jouent avec les avants. Voilà, c'est ce qu'ils font depuis tout à l'heure quand ils sont dans les 22 mètres français. Ils essayent de gagner du terrain. C'est du jeu à une passe, Fabien. Oui, c'est du jeu à une passe, étant donné que la défense française est très proche de sa ligne. Elle monte encore plus vite que d'habitude. Donc, il n'y a aucun intérêt pour les Anglais à déplacer le ballon sur l'extérieur. Et c'est un ballon perdu, un nouvel en avant. Boutier qui dégage. Nouvel en avant pour le 15 de la Rose. Très, très, très imprécis jusque-là. Wow. Boutier qui dégage loin devant. Et avec Rates qui envoie le sprint de sa vie pour mettre la pression sur l'Anglais. Oh là 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 là. Quelle touche. Boutier qui vient de trouver une touche phénoménale dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Et le public français sans folie. Sans jaillir. En folie, là, il faut le dire clairement. Ah ouais. Sean Edwards, il est chaud comme la braise aussi. Ah ouais. Faut le dire. Boutier qui vient de repousser le 15 de la Rose à lui tout seul avec un coup de pied énorme. Et là, du coup, on inverse tout d'un coup la pression. Ouais. On était le 15 de France sous pression, nouvelle en avant anglais, le quatrième déjà. Ouais. Et touche pour l'Angleterre à 10 mètres de son embut maintenant, un peu moins même. Là, on leur est rentré dans le cerveau, Fabien. Ah, je pense qu'ils ils sont déboussolés là. En effet, là, on les voit par contre, ils ont quand même une bonne maîtrise du tempo et du rythme. Ils prennent le temps d'annoncer la touche, ils sont bien resserrés. Plutôt que de courir et de tenter quelque chose, ils ont pris le temps de ressouffler et de réfléchir à ce qu'ils allaient mettre en place. Le lancer précédent a été gagné par l'équipe de France. Cette fois-ci, c'est bon. Courtney Lowes s'en empare. Le ballon est dégueulasse. Mais la sortie du mol, ils ont essayé de mettre en place un mol un peu compliqué. La sortie a été
totalement raté. Un coup de pied de Youngs qui trouve une touche sur ses 40 mètres. C'était pas prévu comme ça, faut clairement se le dire. Les Anglais sont sous pression. Ils réussissent pas ce qu'ils veulent faire. 28e minute de jeu, toujours 17-0. L'équipe de France qui gère totalement sa première période pour le moment, avec un lancer pour Marchand sur la ligne médiane maintenant. Ah non, c'est génial. Là, il va falloir continuer et conserver ce rythme-là. Comme l'a dit docteur Gemal, je ne sais où, la défense française, c'est un véritable mur. Vraiment, c'est incroyable là, ce qu'on fait. Alors Marchand qui trouve cross dans les airs, c'est contré par les Anglais, par Curry. Et c'est parti avec maintenant Underhill, ou grosse charge Underhill sur la ligne médiane qui entre dans le camp tricolore. Et c'était Leroux qui était encore sur ses côtes. Et maintenant, ça part avec les trois quarts. Mais en avant de Farrell, gros en avant de Farrell, devant ses 40 mètres. Incroyable. Fabien, il y a un problème là, ces ballons récupérés par les Français, il y a un problème d'imprécision chez les Anglais. Ah ouais, ils y sont pas. Ils sont à la rue, mais on va pas s'en plaindre. Hein. Tant mieux, tant mieux. Hein. Et on va arrêter de parler d'eux et on va parler de nos Français hein, qui sont vaillants, qui sont enthousiastes, qui jouent un rugby propre et efficace, qui ont une défense incroyable où tout le monde se donne sur l'autre. Tout le monde, après un plaquage, se relève vite, se remet sur ses deux pieds, prêt à monter, prêt à chasser, prêt à faire mal à l'adversaire. C'est vraiment génial ce qu'on fait. Parce qu'il faut le rappeler, si Farrell commet un en avant à ce moment-là, c'est quand même qu'il sent la pression adverse, l'agressivité de la défense, qu'il veut essayer de vite sortir le ballon et qu'il n'y arrive pas. Qui joue le coup avant même d'avoir le ballon sur le coup. C'est ça. Du coup, on en revient à 22e minute de jeu, une mêlée pour l'équipe de France. On est devant les 40 mètres anglais. Donc c'est la première mêlée où on introduit le ballon. Jusqu'alors, c'était Ben Youngs, le 9 anglais, qui mettait le ballon dans l'édifice. Voilà, et donc la mêlée, ça y est, se met en place. Antoine Dupont qui introduit, c'est encore une nouvelle fois stable. Et c'est délicat, mais Aldrit qui réussit à sortir de la mêlée avec le ballon malgré la pression. Hein. Exactement. Le ballon est conservé par les Bleus. Malheureusement, Dupont a été contraint de se consommer dans le ruck. Donc on repart avec du jeu à une passe. Alors on est sur les 40 mètres de l'équipe d'Angleterre. Dupont qui sert Ntamack pour un jeu au pied, mais Ntamack qui tape une chandelle. Elle est courte. Elle est très très courte cette chandelle. Vincent Rathès qui monte. Vincent Rathès qui est pris dans les airs par Johnny May. C'est pas n'importe qui Johnny May. Ouais. Et il s'est imposé dans les airs pour reprendre la possession du ballon sur ses 40 mètres. Exactement. Donc on va voir ce que les Anglais vont faire. Là on est dans l'entre-deux. Ils sont dans leur camp. Et comme d'habitude, les Anglais ne vont pas s'embêter et se débarrasser du ballon avec un jeu au pied de pression. Une chandelle Boutier savamment bien tapé. Boutier qui se manque à la réception de la chandelle. Ballon conservé par les Anglais qui ont reperdu du terrain, qui se retrouvent sur la ligne médiane alors que la chandelle était dans le camp de l'équipe de France. Mais c'est reparti avec Ford maintenant. Ford qui sert Farrell. Farrell, nouvelle en avant. Farrell qui vient de faire le deuxième en avant de suite. Le joueur le plus détesté de la planète ovale. Voilà. Et donc, incompréhensible. Qui donne raison et qui fait plaisir à tous ses détracteurs. Mais que lui arrive-t-il ? Mais il y a une pénalité contre le 15 de France pour une position de hors-jeu de Aldrit, j'ai l'impression. Mais bon, il faut quand même dire que Farrell, deux ballons, il vient de se trouver deux fois quand même sur le coup. C'est assez improbable de ce joueur-là. Ah oui, oui, surtout que c'est vraiment l'assurance tout risque. Et normalement, du côté anglais... Bon, il se rattrape quand même en trouvant une belle touche sur cette pénalité. Et on va avoir un nouveau lancer pour le 15 de la Rose à une dizaine de mètres de la ligne française. Là, il nous reste 9 minutes avant la mi-temps. Faut tenir. Là, faut tout envoyer. Si on peut éviter d'encaisser des points avant la pause, c'est que mieux. Totalement. Bah, il faut qu'ils continuent à mettre en place ce qu'ils font parfaitement depuis tout à l'heure. Hein. Une pression de tous les instants. Et on verra. 30e minute de jeu, Fabien. Un petit free bet. Hein, avant cette touche importante. 3e free bet de la rencontre. 5 euros de free bet. Quel joueur a inscrit un triplé lors du dernier crunch France-Angleterre l'année dernière? À vous, le free bet, la réponse et 5 euros à gagner. Alors que l'Angleterre a mis en place un ballon porté dans les 22 mètres tricolores. Il est plutôt bien construit, que les trois quarts se joignent à l'édifice. Kyle Sinclair qui a le ballon au fond du fond de l'amas de joueurs. Il y a peut-être 10 Anglais contre 6 Français. Le ballon sort, ils n'ont pas d'autre solution que de jouer proche, les Anglais, étant donné qu'ils sont tous dans le molle. Et Daly qui a gagné du terrain, là, qui est sur les 5 mètres de l'embut. Maintenant, Jamie George, on est à moins de 5 mètres maintenant, Fabien. La France qui défend toujours, mais les Anglais sont de plus en plus pressants. Ford qui extrait le ballon face vers Johnny May. Boutier, très bien chassé par Rathès qui est venu prêter main forte à son arrière. C'est bien défendu une nouvelle fois hein, par Rathès qui a bien pris Johnny May, mais le 15 de la Rose conserve la position. Et c'est une pénalité pour le 15 de France. Fabien, il applaudit, ça y est. Ah ouais. Et on l'a perdu. Tout à l'heure, il nous annonçait une victoire de l'Angleterre. Ah bah oui. Mais maintenant, on est totalement pour le 15 de France. Aldrit, bien qui allait gratter ce ballon,
qui a ferraillé, qui a fait une Itoji, hein, sur le coup, on peut voilà, le dire. Bien sûr. Il est allé gratter ce ballon parfaitement à 2-3 mètres de sa ouais. ligne. Et voilà, pénalité pour le 15 de France, qui défend une nouvelle fois parfaitement. Je pense qu'on voit maintenant, avec ces 33 minutes de jeu-là, la patte de Sean Edwards, qui est venu du Pays de Galles cette année, spécialiste de la défense. Ah oui, il est annoncé comme le meilleur spécialiste au monde de la défense. Et ben, force est de constater que ça porte d'ores et déjà ses fruits. Alors, les joueurs sont très bien organisés collectivement. Et en plus de ça, ils font preuve d'un état d'esprit incroyable. On revoit l'action là à l'instant. Et Aldrit, qui a été hyper rapide pour aller gratter ce ballon, pour obtenir une pénalité. Et du coup, le 15 de France qui sort de ses 40 mètres avec un lancer à suivre. C'est parfait. Donc, il est dans ses 40 mètres, pardon, toujours. Et le lancer, mal négocié, perdu. Ça a été très, très mal négocié par le 15 de France. Cross, notamment, qui n'a pas réussi à s'emparer du lancer de Marchand. Pourtant, la filière toulousaine, tous les deux, qui se connaissent déjà, qui jouent ensemble en club. Mais voilà, le ballon a été perdu. Et ça va être une mêlée, me semble, pour le 15 de la Rose. Oui, oui. Donc, Nigel Owens qui demande au capitaine de venir et qui explique pourquoi la touche va être à rejouer, il me semble. Voilà, on voit... Il parle du couloir. Vous savez, l'alignement doit être... aligné, comme son nom l'indique, et il faut qu'il y ait un espace assez conséquent entre les deux équipes afin que le ballon puisse être lancé au milieu. Et donc il fait rejouer la touche. Oui, exactement. Pour le 15 de France. Je pense qu'il avait sifflé au moment où Marchand faisait son lancer. Et voilà, justement, vu que les Anglais ont refusé de tenir le couloir et qu'ils ont grignoté du terrain, c'est un bras cassé pour nous. C'est un bras cassé pour nous dans nos 40 mètres, donc c'est plutôt positif. Étant donné que ça nous permet de gagner le ballon, de garder le ballon, et les cotes qui ne cessent de fluctuer. Eh ben oui, du coup, le 15 de la Rose qui ne cesse de grimper. Là, on est à 3,40 pour une victoire de l'Angleterre. La France mène 17-0, c'est normal que l'Angleterre monte. Mais le match n'est pas fini. On est qu'à la mi-temps. On a eu par le passé des preuves que l'équipe de France était capable de faire des très bonnes mi-temps, mais des mi-temps derrière beaucoup moins bonnes. Exactement. Donc, le match n'est pas fini. L'Angleterre à 3,40. La France à 1,17, ça a baissé. Honnêtement, ceux qui croient en l'Angleterre coûte que coûte, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. C'est une très belle cote, c'est le moment ou jamais. Exactement. Et là, on en revient à un en avant français sur les 40 mètres adverses et une mêlée introduction Ben Youngs. Fabien, les mêlées jusqu'à présent, ça a été normal, dominé ouais, par les Anglais. Ça a été disputé. Il n'y a pas eu forcément de domination véritable d'impact sur l'autre. En tout cas, toutes les balles ont été jouées. Très peu de mêlées, voire aucune à refaire. Ce qui est quand même une victoire en soi, étant donné le temps qu'on perd parfois à construire et à essayer de jouer les ballons sur mêlée. Et là, Dupont qui s'échappe dans le fermé, qui joue au pied, qui tape à suivre. Et Ratez à la course, Ratez, et le ballon sort en touche à 5 mètres de l'embute. Ça a été bien joué par Dupont qui est parti dans le fermé, qui a joué au pied pour Ratez à la course. Il y avait Ford qui couvrait, il y avait aussi May, et le ballon est sorti. Là, ça va être un lancer sous pression pour les Anglais devant leur embute. Ah, c'est très bien joué de la part de Dupont. On a gagné 30 mètres là, sur cette possession-là. Et comme je vous le disais, le gain de terrain est réel. Et maintenant, on fout la pression sur l'adversaire. C'est parti avec un lancer pour Jamie George, du coup, devant sa ligne d'embut. Courtney Lowes qui s'impose une nouvelle fois dans les airs, qui conserve le ballon pour la mise en place d'un maul. Et Youngs qui va dégager au pied, sûrement pour sortir de son camp. Voilà, c'est fait. Il tape loin, loin, loin devant en touche. À peu près à hauteur de ses 40 mètres. Écoute, 36e minute de jeu, 4 minutes avant la pause, on va avoir une possession dans le camp adverse. Le plus important déjà, c'est d'assurer la balle. Oui. Et à partir de là, moi je serais partisan de conserver le ballon dans un petit espace afin de ralentir un peu le rythme. Mais voilà, on va voir ce que va faire la France, c'est le plus important. Il y a les fautes de main qui sont signalées, 8 fautes de main pour les Anglais déjà depuis le début de la rencontre, c'est énorme. Ah ouais. Olivon qui dévie le ballon à la maintenant. Ntamack qui voulait lancer Vakatawa en premier attaquant. Vakatawa qui n'a pas réussi à saisir le ballon. Et possession récupérée par les Anglais avec un énorme raffut d'Underhill sur Leroux. Il l'a couché. Il y a un partout. On le dit, il l'a couché. Il y a un partout entre les deux, étant donné que Leroux tout à l'heure avait renvoyé Underhill chez lui. Et là les Anglais qui sont sous pression. Hein. Clairement, ils sont chassés. L'appareil. Ils sont chassés, contraints de dégager loin devant. Et une nouvelle séquence de jeu au pied qui se met en place. Pour du gain de terrain, tu nous en parlais tout ouais, à l'heure. Mais là, par contre, Ntamack trouve une touche superbe dans les 40 mètres anglais. Ntamack n'a pas voulu rentrer dans ce jeu-là et qui a coupé court par une superbe inspiration. On revoit le raffut d'Underhill.
C'est dur à encaisser quand on est joueur, un raffut comme ça, Fabien. Surtout que le roux, c'est quand même là où il est le meilleur, le plaquage. Le roux, le joueur le plus âgé de cette sélection. 30 ouais. ans, le roux. 37 sélections, l'un des ouais. plus expérimentés avec Ficou. Mais jusque-là, quand même, il a bien assuré dans son camp, ouais. comme tous ses partenaires. Et là, on a un lancé pour les Anglais avec un nouveau ballon porté, une nouvelle prise de balle de Lowe's dans les airs. Voilà, les Anglais qui s'embarrassent plus là. Ils ont mis le code rouge en place. C'est-à-dire, on assure nos ballons et on fout la pression sur l'adversaire. On joue simple. Voilà, on ne sait pas jouer au rugby, on l'a compris. Donc on fout la pression sur l'adversaire et rien d'autre. Et c'est ce qu'ils viennent de faire là, parce que la touche normalement est anglaise, parce qu'il me semble que c'est Ratez qui l'a sorti. Voilà. Et donc elle est annoncée pour le 15 de France pour le moment, bien. Après ce coup de pied de Young, cette chandelle de Young. Mm. Donc on a un lancé pour Julien Marchand. On en parlait en avant-match, Julien Marchand, qui pour le moment a été impeccable, à part un lancé peut-être, mais sinon qui a été impeccable oui. dans son rôle. Voilà, là, sur ses 40 mètres, il a un lancé. Le déchet connu jusqu'alors est plutôt habituel à ce niveau-là. Quoi. C'est pas forcément amputable au lancé en eux-mêmes. Ballon récupéré par les Anglais et pénalité pour le 15 de France. Finalement, on a vu un petit en avant de cross sur ce lancer au moment de mettre en place le mol. Mais il y a une pénalité contre les Anglais sur les 40 mètres de l'équipe de France. Et on voit Nigel Owens qui parle avec Itoje pour lui expliquer sa faute. Et on a vu Ficou récompenser Antoine Dupont par un petit bisou quand même. Ouais. Tu vois qu'il est satisfait de ses partenaires, Ficou. Ah ouais, ça fait plaisir. Et nous, les Français, on communique quand on est heureux. On communique notre émotion, donc le rugby est un sport où on a besoin d'aimer ses coéquipiers pour se transcender pour eux. Donc Ficou témoigne toute son affection à Dupont dès qu'il le peut. Et du coup, Ntamack qui a trouvé la touche dans le camp adverse. 39e minute de jeu, il reste 1 minute 30 à peu près dans cette première période. L'équipe de France qui mène toujours 17-0, hein. Ça a été un début de match phénoménal des Bleus. On ne s'y attendait pas, personnellement je ne m'y attendais pas, je ne sais pas toi. Ah, moi non plus. Et là, une touche pour Marchand, captée par Cross malgré le contre de Ewells. Et les Bleus qui avancent dans les 40 mètres anglais avec Aldrit qui a le ballon en main pour le moment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et les Français qui avancent, là, c'est la dernière possession avant la mi-temps. Oh là là, il était important d'en faire quelque chose ou au moins de conserver le ballon. Malheureusement, sur une percussion, Willem C a été coupable d'un en avant. Le plaquage de l'anglais était bien placé, bien ciblé au niveau du ballon. Ce qui a fait perdre son latin à notre ami Paul Willem C. Du coup, on en revient à une mêlée pour le 15 de la Rose, à hauteur de ses 22 mètres à peu près. La fin de la première période approche. Là, pour les Anglais, le mieux, c'est de dégager en touche, de rentrer au vestiaire et de remettre les choses à zéro. Oui, totalement. Ou de jouer le ballon, tu penses que... Non. Là, connaissant le pragmatisme anglais, ils ne vont pas s'embêter avec ce ballon-là. Ils vont rapidement le digérer, faire tourner l'horloge, et taper le ballon en touche, voire rentrer au plus vite au vestiaire. La cote de l'Angleterre qui ne cesse de grimper. On est à 4 maintenant pour une victoire du 15 de la Rose. Thomas et Hugues vont nous en parler à la mi-temps, mais c'est un 15 de la Rose méconnaissable jusqu'ici. Et il y a un avantage en cours pour les Anglais sur cette mêlée, avec une pénalité sifflée par Nigel Owens. Le seul domaine où ils rivalisent à peu près avec les Bleus, c'est sur la mêlée pour le moment, hein, Fabien. Voilà, c'est la première fois qu'ils sont récompensés par leur domination dans l'exercice de la mêlée fermée. Et ça va leur permettre d'avoir une dernière possession avant la mi-temps dans notre camp. Là. La pénalité va être tapée en touche. Et ça va leur permettre de tenter quelque chose quand même avant la mi-temps. On pensait qu'ils allaient se contenter de peu. Mais non, les Anglais ont tout de même de l'orgueil et une certaine classe. Avec Farrell maintenant donc, qui tape la pénalité, qui trouve la touche. Devant les 22 mètres tricolores, c'est une dernière possession qui peut être assez intéressante pour le 15 de la Rose. Maintenant, on les a vus jusqu'à présent commettre beaucoup d'en avant, beaucoup de fautes de main. Va falloir régler ça soit maintenant, soit après la mi-temps. Ouais, ou pas le régler du tout, ça serait parfait. On serait ravis. Donc là, les Anglais, moi je m'attends à un ballon pris devant. Voilà, ils vont assurer le job, quoi. Ils vont lancer devant et ils vont tenter un mol. Ah oh ben non, voilà, ils m'ont fait mentir. Itoje, cette fois, qui capte le ballon. Et pas de molle, comme tu l'as pourtant annoncé. Un retour intérieur sur Johnny May qui s'infiltre dans les 22 mètres tricolores. Jimmy George maintenant qui charge. Et les Anglais qui avancent là, Fabien. Ouais, ça y est, ils ont mis de l'avancée dans leur jeu. Donc il leur faut capitaliser là-dessus.
On est sur, du jeu à une passe là avec Sinclair à l'instant. Maintenant, Courtney Lowes qui charge. Les avants anglais qui ferraillent. Ça y est, c'est reparti. Comme depuis le début, dès qu'ils viennent dans nos 22 mètres. Itoji maintenant bien pris par Aldrit hein, et Leroux. Fabien, il n'y a pas trop d'avancée là pour les Anglais. Non, mais ils vont continuer à porter ce ballon jusqu'à obtenir quelque chose, ne serait-ce que 3 points. Là, ils cherchent la pénalité, clairement. Lowes maintenant pour une nouvelle charge, bien plaqué. Et c'est parti avec Ford. Ford, oui, oula, Ford repris par deux joueurs français, Williams et Leroux. Les deux deuxièmes lignes. Youngs maintenant, Leroux une nouvelle fois. Il a replaqué par la suite. Et Dupont qui va sur Lowes avec Leroux encore. Leroux, en 20 secondes, il vient de faire 3 plaquages, Fabien. Il est partout. Ah, mais ce joueur, franchement, fait taire les critiques à son égard. Il a souvent été raillé pour je ne sais quelle raison. Moi, je le trouve véritablement exemplaire et extraordinaire. Regardez encore le déplacement qu'il est en train de faire. Même s'il s'est fait prendre intérieur, il est quand même incroyable d'abnégation, de volonté, de don de soi. Les Anglais qui ont perdu du terrain, là. On est sur les 22 mètres de l'équipe de France. Hein. Une nouvelle défense impeccable de l'équipe de France qui ne laisse rien passer, qui est en place depuis le début, qui laisse rien passer. Ils sont souvent deux au plaquage. Awas, là, à l'instant, aidé par Olivon. Et Youngs qui sort le ballon pour Ford. Ford qui combine avec Courtney Lowes. Mais les Français sont toujours là et pas d'avancée des Anglais, Fabien. Et nouvelle en avant. Donc on va taper en tout, je pense, tranquillement. Voilà, c'est fait. 17-0 pour les Français. Qui l'eût cru ? Maintenant, il faut tenir 80 minutes. Parce qu'ils nous l'ont fait plus d'une fois, celle-là. Une mi-temps incroyable contre le Pays de Galles aussi, nation l'année dernière, le premier match, rappelle-toi. Deux essais casquettes de George Noss, avec UG qui glisse et Vahamina, sa tripe sautée. Ils nous l'ont fait à la Coupe du Monde aussi. Maintenant, il y en a marre, les gars. C'est 80 minutes qu'on veut ça. Continuez les poulets, c'est super. Et du coup, là, on retrouve Thomas et Hugues, tout de suite, qui vont nous débriefer cette première mi-temps exceptionnelle. Les gars, pour nous, elle est exceptionnelle. Il n'y a rien à dire. Donc ne dites rien, il n'y a rien à dire. Les gars, c'est parti, c'est pour vous, mais il n'y a rien à dire. Bon courage. Et oui Fabien, qui l'eût cru 17-0 pour l'équipe de France. Bon, nos pronos sont toujours bons pour tout le monde. Mais 17-0, on va rappeler l'essai de Rates et d'Olivon pour sa première avec le brassard de capitaine. 17-0 pour l'équipe de France qui mène. Et on va regarder tout de suite les cotes de ce match. 1-11 pour la France, 32 le match nul et l'Angleterre seulement à 4. Ils ont dû écouter Fabien et Lucas parce qu'il y a quand même une deuxième mi-temps à jouer. Mais tu l'avais dit, l'importance du début de match. On a eu peur. On va pas se le cacher, on a eu peur sur la première action. Le début de match est plutôt anglais. Et puis, l'équipe de France s'est libérée. Cet essai de Rates a donné toute confiance au groupe de Fabien Galthié. J'ai même l'impression qu'on a la baraka, hein, qu'on a la chance avec nous. Aujourd'hui, tout nous réussit, mais la chance, tu la provoques. La chance, tu la provoques par un engagement fort, 100%. On voit une intensité. On est capable de répondre aux Anglais sur le défi qu'ils nous proposent. Ils ont mis plusieurs fois les pieds dans nos 22 mètres, du jeu à une passe, bête et méchant, la balle pour les avants, Itoje qui vient, Sinclair qui vient, les Français qui plaquent à 2, à 3, Bernard Leroux qui enchaîne 4 à 5 plaquages de suite. Vraiment, ça donne envie de s'emballer et on répond présent. Alors comme on dit nos amis Fabien et Thomas, voilà, ils nous l'ont fait plusieurs fois. Ce qu'on espère, c'est que cette intensité dure 80 minutes. Et puis les Anglais à 0 points, c'est quand même assez rare et ça fait vraiment du bien. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. On va parler de l'équipe de France, mais ce qui surprend sur cette première mi-temps, c'est le niveau des Anglais. Ils sont méconnaissables. On n'a pas eu l'habitude. On les a quittés à la Coupe du Monde, vice-champion du monde. Ils avaient fait une prestation incroyable face aux Blacks. Ouais. Il y avait juste moi qui avais vu la victoire des Anglais. Mais voilà, c'est surprenant de voir des Anglais sous l'eau face à une si jeune équipe française. Et ils font même des fautes de main au niveau du... Et Farrell, notamment. Ouais, ça a tapé. On a vu Farrell qui reste au sol contre Vakatawa dans les 10 premières minutes. On a vu Tuilagi, qui est quand même un rock et qui sort sur blessure, alors que Vakatawa s'est fait mal aussi, mais est encore bien présent. On a vu quand même des impacts assez puissants et aussi un coup du sort, on va dire, un essai que moi, j'aurais peut-être pas accordé personnellement, l'essai d'Olivon. On voit surtout aussi, je tiens à le noter, Boutier, Rates, très présent. Awas, quand même. Il y a eu peu de mêlées, mais Awas qui tient bien sa place. Je suis plutôt rassuré sur tous ceux qui débutent aujourd'hui. On va faire ligne par ligne un peu le débrief de cette mi-temps juste avant. On va regarder ce qui s'est passé du côté de nos parieurs. On a pu discuter avec les traders, mais il y a Xavi1726 qui a mis 25 euros sur l'essai de Rates
à 3,25. Donc bravo à lui. Deux personnes ont misé sur l'essai de Charles Olivon. Ils ont mis 50 euros dessus, une cote à 7. Mathias 64-600 et Lucas de 200-376. Donc là, bravo, ils ont vu l'essai de Livron. Et une vidéo... On est heureux sur cet arbitrage vidéo. On ne sait pas si c'est le bras de Loz ou le pec de... C'était qui le pec On se l'est dit, c'était... Qui était au duel pour Olivon, c'était Olivon. Et Rates récupère le ballon et il part après On va dire qu'il se l'est pelé parce qu'il fait la semi-faute et il continue sa course derrière, il va marquer. Quoi. Et on a Cash 4e, je ne sais pas comment on faut le... Cash Formi, pardon, qui a mis 90 euros sur une cote à 18. Il peut remporter 1620 euros. La France gagne d'au moins 15 points. Il faut que ça tienne, il t'a écouté. J'étais pas loin d'être d'accord avec lui. Il t'a écouté, il est pas loin de prendre un gros chèque, notre ami Cash un bon patriote. Formi. Qu'est-ce qui t'a le plus plu côté tricolore dans cette première période? Ton coup de cœur, et après on essaye ligne par ligne de décrypter cette première période. Ton vrai coup de cœur de ces premières minutes. Ouais, individuel. Mon coup de cœur, c'est Aldrit. Première action du match, il a reçu tous les coups d'envoi. Il a pris des décharges et des vagues d'anglais qu'il a su recevoir. Il est toujours aussi bon dans l'intensité, il est toujours aussi bon dans les duels. On voit qu'il a rattrapé plusieurs fois des plaquages ratés de ses coéquipiers. La première action, on a vu le ralenti plusieurs fois. Willem C qui se rate, Aldrit qui arrive et qui tape fort. Il est vraiment présent dans l'intensité, il est vraiment juste. Je trouve qu'il a une certaine justesse, il ne perd pas de ballon. S'il continue, c'est très très dur de faire un match de 80 minutes à cette intensité. Quoi. Donc Aldrit, moi, pour moi, c'est mon coup de cœur de la première mi-temps, mais je pourrais en citer beaucoup. Et on va commencer par la charnière, parce que la charnière, ils ont déroulé offensivement, mais derrière, ils sont employés à de nombreuses reprises. Tu disais, on regardait le match ensemble, s'ils continuent à plaquer comme ça tout le match, ça peut pas tenir. Ouais, parce qu'ils sont au four à moulin, notamment Ntamack qui est partout, mais ça plaque et ça plaque fort. Eh bien, on voit, pour un demi de mêlée, on voit Dupont fidèle à lui-même, qui plaque énormément et qui est beaucoup en premier rideau. Alors, dans le rugby actuel, normalement, le demi de mêlée, il plaque le moins possible et il fait beaucoup de couverture. Et si on prend le Katamak, ça doit être le plus léger derrière, et il se prend Tuilagi deux fois dès le début du match, il se prend vraiment des vagues d'anglais lui aussi, et pour un gabarit modeste, même s'il est quand même habitué à ce genre d'intensité, pour un gabarit modeste, il ne s'est pas échappé une fois, il n'a pas raté beaucoup de plaquages, j'en ai même pas un en tête qu'il ait raté. Quoi. La première ligne, les trois de devant, là aussi ça s'emploie, et on va essayer de parler de... Dawas, il est dans le rythme aussi, il est dans le bon tempo. Voilà, alors pour moi, très simplement, Cyril Bay, numéro 1 de la première ligne, pour moi, le meilleur niveau aujourd'hui. Marchand, je parlais des lancers en touche, il en a raté un, il s'est rattrapé tout de suite grâce à son alignement qui a pu contrer les Anglais. Et Dawas, de côté, les touches n'ont pas été... Fabien mettait l'accent dessus, c'était très important de gérer la touche. Les Anglais n'ont pas été exemplaires aussi dans ce registre. Et je pense que si on fait les comptes statistiques, on est quand même devant eux, on a dû en contrer 3 et eux 2. Awas, j'ai apprécié surtout sa capacité à se déplacer. On l'a vu très actif dans les séquences à la fin où les Anglais nous pilonnent. On l'a vu très actif en défense et en mêlée. La mêlée, il n'y a pas eu un grand match encore. Mais pour moi, il tient toute sa place et on ne voit pas que c'est un débutant. Quoi. C'est sûr. On ne remarque pas que c'est une première sélection. Sur les arrières, on a eu un Thomas qui a fait un très bon début de match, notamment sur le premier essai. Il a fait un gros boulot. Et Rates qui assume le remplacement de Damien Penaud. C'est une belle histoire. Il marque le premier essai exactement. Voilà, c'est la belle histoire. Je te le disais encore une fois tout à l'heure, mais c'est marrant de voir un joueur avec ce physique modeste aussi, ailier. On a pris l'habitude de voir des ailiers très costauds, et notamment les ailiers anglais qui sont bien remplis de muscu. Rates qui tire son épingle du jeu, qui a mis un bel essai où il met un beau raffut au demi de mêlée anglais et qui est propre sous les ballons hauts. À l'image de Boutier aussi. J'allais y venir. Voilà, ils n'ont pas peur. Et Teddy Thomas, capable du meilleur comme du pire, comme toujours. On l'a vu 20 premières minutes de feu avec une grande percée. Un petit peu moins en vue à la fin, mais on sait qu'il est capable de surgir encore. Et Vakatawa Fikou touché rapidement dans le match au biceps. Et Fikou, on les voit un peu moins. Mais est-ce que c'est le scénario du jeu qui ne permet pas de voir ces deux joueurs? Peut-être, quand même, sur les actions où il les a vues, en tout cas, ils ont dominé. Plus Vakatawa que Fikou. Voilà, en attaque, Vakatawa. Fikou, on l'a vu très actif en défense. Honnêtement, je pense que Fikou, en 12, il a un rôle de régulateur. Vraiment, il donne le ton des lignes arrières. Et si, globalement, la performance, elle est dominante pour la France, Fikou, il a quand même son rôle là-dedans. Vakatawa, moi, j'ai eu peur qu'il sorte, parce que ça a tapé très fort dans Farrell, ça a tapé très fort dans Tuilagi. Et je sais pas, ils lui ont fait un joli bandage. À mon avis, c'est ce qui tient son bras à l'heure actuelle. Son biceps, ça, il est peut-être plus très solide. Mais voilà, il nous fait une Vakatawa, 110 kilos, dur comme un bout de bois. Et j'espère qu'il va tenir le plus longtemps possible. J'ai confiance en Arthur Vincent, bien sûr, s'il est amené à rentrer. On termine les cas individuels avec
Justement, Gold Coast qui nous en parle. Boutier est un Pro D2 à Vannes il y a un an. Va parler du 15, la grosse surprise de ce 15 de départ. Boutier, le joueur de Montpellier à l'arrière. Mathieu Plain, il nous a offert un coup de pied. Moi, j'ai hurlé. C'est monumental. Un coup de pied monumental. Mais il est dans ses 22. Il l'envoie quasiment dans les 5 mètres. Anglais, il a été très précieux dans le jeu aérien. De partout, en fait. Il a été très bon, l'arrière tricolore. Je crois qu'il a fait une seule erreur. C'est un ballon qui n'est pas capté directement, de volée. Et voilà, on a la baraka encore une fois, donc il part en arrière. Il fait un match très, très propre jusqu'à présent. On le voit faire des grandes envolées avec Montpellier un petit peu moins aujourd'hui. Par contre, dans sa qualité sous les ballons hauts, sa qualité de jeu au pied, à l'image du dernier jeu au pied qu'il a fait de quasiment tout le terrain, je crois qu'il rassure. Je pense qu'il rassure avec ses coéquipiers. On le voit discuter avec Ntamack et Dupont sur le troisième rideau. Pour moi, c'est comme Awas, c'est une première sélection et on ne le remarque pas. On est capable de noter les bonnes actions. Donc pour moi, c'est 100% satisfaction pour l'instant. Est-ce que ce 17-0, quand même, il n'est pas un peu... Si. Gonflé. Il est joli. Parce qu'on a eu deux situations très chaudes avec des ballons qui ont explosé dans les mains des Anglais, qui nous ont commis deux en avant, qui étaient très chauds. Il y avait un 2 contre 1, je ne sais plus qui fait tomber le ballon. Furbank. C'était Furbank qui fait. Furbank n'est pas au top, top. Comme Farrell. Farrell, il est méconnaissable aussi aujourd'hui. Il y avait un 2 contre 1 négocié, il fait tomber le ballon. On mène 17-0, voilà. Mais ce n'est pas non plus... Pour parler du cas Furbank, on va forcément le comparer. Il n'était pas là à la Coupe du Monde, donc on va forcément le comparer avec ceux qui sont absents côté anglais. Je ne veux pas non plus lui jeter la pierre. Bien sûr. Mais là, on juge cette, pour moi, ces 40 premières minutes. Voilà, pour moi, le score juste, ça serait 10-0. Je trouve que l'essai de Olivon qui nous a été accordé est généreux. Je le prends avec grand plaisir. Mais le score juste, ça serait 10-0. Et 10-0 contre les Anglais, je l'aurais pris avec grand plaisir avant le match. Beaucoup parlent de la cote à 4 de l'Angleterre. Ouais. C'est pas énorme pour une équipe qui est menée 17-0 à la mi-temps, parce que c'est les Anglais et parce que Fabien l'a très bien dit à la fin de son commentaire de la première période. Les deuxièmes mi-temps des derniers matchs de l'équipe de France, ça n'a jamais été notre tasse de thé. Bon, Vakatawa n'est pas là. Donc, On a un historique, malheureusement, de faire des grandes premières mi-temps. Sur les 5-6 dernières années, on va dire, ça nous est arrivé plusieurs fois. J'espère que c'est fini. J'espère qu'on sera plus coutumier du fait. Si j'étais l'entraîneur anglais, je trouverais un moyen, je chercherais un moyen de leur changer les idées en fait, et de repartir comme si c'était un nouveau match. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à appliquer. La seule solution pour les Anglais, là, c'est limite de changer les maillots et de repartir comme si rien ne s'était passé. Parce que sinon, 17-0, tu reviens, tu as la tête entre les chaussettes et tu vas nulle part. Donc s'ils ne sont pas capables de passer un cap mental et dire on revient et on recommence comme si ce n'était rien passé, renverser la tendance et prier pour que ça fonctionne, ils vont se prendre une fessée. Très près qui nous dit vive le Brésil. C'est vrai que... Ça nous réussit. Ça ne sourit pas. Et S. Rochelet, un fidèle de French Flair, qui nous dit on les mange partout, en mêlée, en conquête, en défense, pas moyen qu'on perde. La rose est fanée. Si on parle un peu justement de ce 15 de la rose, oui, on a commencé à en parler, mais si tu prends ligne par ligne... Où est-ce que tu pourrais situer le gap vraiment où tu peux dire ils ne peuvent pas faire demi-temps comme ça? Attention, il faut se méfier de ce secteur de jeu. Écoute, on les a quand même beaucoup dominés sur la première de partout, mi-temps. Stade Rochelet nous le dit, sur quasiment tous les secteurs. Donc, est-ce que si l'Angleterre monte légèrement son curseur, est-ce qu'ils peuvent vraiment reprendre le dessus? Est-ce que tu les penses si forts que ça? Je pense que pour reprendre le dessus, ils n'ont qu'une solution, c'est nous marcher dessus en mêlée. Parce que c'est quand même plutôt équilibré, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc idéalement, faire le moins de mêlées possible pour nous, même si on ne s'est pas trop fait dominer. Et moi, si je devais relever deux points forts, ça serait en gros la présence de Itogé dans les ballons portés, dans les rucks et dans les mauls, qui quand même a fait des fautes, mais est très présent et il ne nous laisse pas manœuvrer comme on le souhaiterait. Et peut-être, on a vu Johnny May quand même, Johnny May dangereux. Johnny May qui nous a fait un peu frissonner. Quand il perce, celui-là, il arrive à casser quelques lignes. Pas lui donner le ballon, quoi. Voilà. Sinon... Honnêtement, si on arrive à reperdre un match 17-0, Galtier va passer pour un rigolo. On ne peut pas perdre, c'est impossible. Si on est des joueurs attention, de haut niveau, c'est dans la boîte. Ouais, mais si on est des joueurs de haut niveau et une équipe qui respecte... Des joueurs de haut niveau, mais là, on est quand même sur un niveau international avec beaucoup de nouveaux. Tu peux prétendre à rien si, quand tu es à 17-0 à la mi-temps, ce qui est incroyable, tu peux prétendre à rien sur la scène internationale si tu ne peux pas gagner un match. Il y avait combien France-Galles à la mi-temps? Je vais oublier ce match. On ne parlera pas. Non, mais je ne me rappelle plus le score, mais il y avait Je crois qu'on avait 12 points d'avance. 12, c'est ce qui me semblait. J'allais dire 12 points d'avance contre le Pays de Galles. Si tu veux avoir des prétentions dans un tournoi à destination comme eux, ils l'ont. Galtier, il dit on veut gagner le tournoi à destination.
Donc à un moment, quand il y a 17-0 dans un match, que ce soit avec, sans chance, quelles que soient les conditions du score, tu ne peux pas perdre. Même si on gagne 17-16, ça me va. Voilà. Et Ibanez qui avait dit, on va faire honneur au maillot tricolore pour le moment. C'est le cas, les valeurs sont retrouvées. On a un public du Stade de France, il faut le noter, présent. Qui chante, qui pousse son équipe, qui est avec le stade qui est plein. Donc voilà, c'est pour le moment, tous les feux sont ouverts pour le moment pour l'équipe et de en plus France. Avec un temps anglais. Exactement. La pluie est anglaise, mais pour le moment, elle favorise les joueurs de l'équipe de France. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils reviennent le temps que Lucas et Fabien se réveillent de leur petite sieste dans les canapés. On va les rappeler pour commenter cette deuxième période. On aimerait bien écouter les mots de Galtier. J'imagine qu'ils sont élogieux envers ces joueurs. Mais je ne l'imagine pas non plus en extrême confiance. Enfin, voilà, il faut être confiant, mais pas trop. Moi, je ne sais pas si je l'imagine élogieux. Ce qui est sûr, c'est que le discours à tenir, à mes yeux, c'est pour gagner le match, vraiment, et pas se faire peur. Il faut remettre exactement la même intensité. Mmh. Il faut, de la même façon pour nous, réattaquer le match comme si c'était un nouveau match. Parce qu'on n'est pas l'équipe d'Angleterre, on n'est pas vice-champion du monde. On ne peut se permettre de dire il y a 17-0, on va gérer. Non. Et ce qui est surprenant, au niveau des cotes, si on prend par exemple un prono, la France gagne, un pari, pardon, la France gagne par au moins 11 points d'écart. Mmh. Oui, 1,76 et non, 1,66. C'est pour dire que les cotes pensent quand même que les Anglais vont revenir. Donc. Écoute, ça représente 10 ans de fausse joie du grand public, 10 ans de déception, 10 ans de 15 de France sur courant alternatif qui nous a fait des frayeurs. Quoi. Exactement. Allez, on va redonner la main à Fabien et Lucas. Les joueurs sont sur la pelouse. Le coup d'envoi va être donné pour cette seconde période. La France mène 17-0 dans ce crunch, le premier match du tournoi Destination. Ne zappez pas, hein. Juste après le débrief, Lucas nous rejoindra pour débriefer, on l'imagine, on l'espère surtout, la victoire des Bleus. Allez, coup d'envoi de la deuxième période, c'est parti. C'est parti, Fabien. C'est parti, coup d'envoi de Romain Tamac. Et c'est parti, Romain Tamac qui donne le coup d'envoi et qui tape dans les 22 mètres anglais. C'est récupéré par Tom Curry, et ça va être tapé par George Ford pour sortir de son camp. Ford qui trouve une touche, propre à hauteur de ses 40 mètres, et on est nickel. On a rechargé les batteries à la mi-temps, Fabien, on est bien ? Ouais, on est très bien. Juste une petite précision, tout à l'heure, c'est Tulagi qui est sorti et qui a été remplacé par Jonathan Joseph, et non Owen Farrell, on a fait une petite erreur. Donc Tulagi sorti, ça veut dire que les Anglais ont vraiment très peu, voire plus, d'excellents porteurs du ballon. Comme on le sait, Mako Vunipola et Billy Vunipola, les deux piliers aux ascendances tongiennes sont blessés et forfaits pour ce match-là. Le dernier espoir anglais pour porter le ballon et faire mal à la défense française sur les impacts, c'était Manu Tulagi. Mais dès la 12e minute, il est sorti du terrain. Et depuis, les Anglais sont véritablement sans solution. Moi, et là, je te coupe deux secondes, mais on voit Furbanks qui a fait un arrêt de volée dans ses 22 mètres, qui a redégagé derrière au pied, qui a trouvé une touche dans le camp français. Et donc, on va avoir un lancer à suivre. Voilà, pour l'équipe de France, Marchand qui a été plutôt performant. Ce qui m'intéresse en tant que... talonneur. Ouais. Grand talonneur même. Même maintenant, je parlerai plus tard en tant que fan du rugby, c'est voir comment les Anglais vont se remettre dans la marche avant. Voilà, Hugues l'a dit, hein, en tant que vice-champion du monde, tu ne peux pas te permettre de faire cette performance-là. Nous, ça nous va personnellement, moi je signe, hein, on arrête le match maintenant. La France a toujours eu du mal au retour des vestiaires là, ces derniers temps. On l'a vu contre le Pays de Galles, on l'a vu lors du Six Nations l'an dernier. Pour le moment, on vient de perdre le lancer par contre de Marchand, qui a été contré. Youngs, qui prépare un jeu au pied sur ses 40 mètres. Et finalement, non, qui joue avec Ford. Mais qui va taper. Donc, c'était juste une adaptation ou un changement de buteur. Mais ce jeu au pied de Ford est littéralement exceptionnel. Ford qui vient de trouver une touche magnifique là. Dans nos 5 mètres. Voilà. Et du coup, la pression, comme pour la première période, d'entrée... L'équipe de France subit la pression des Anglais. Et là, on va voir si Marchand arrive à se remettre de son lancer précédent qui a été manqué. Pour moi, pour être à l'honneur, on n'est pas les seuls fautifs quand un lancer est loupé. Il y a aussi parfois l'annonce qui n'est pas forcément pertinente ou qui est immédiatement captée par l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé sur le lancer précédent. Et là, celui-là est mal lancé pour le coup. Il n'y a rien à dire. Itoje qui a le ballon. Ce satané Itoje qui est arrêté à 1 mètre de la ligne. Et là, ça va être du gain de centimètres. Tous les bleus sont derrière la ligne pour pas être hors jeu. Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est précis. Et les Anglais qui tentent un premier pick and go.
Les Anglais, voilà, ça y est, ils ont le ballon, là, c'est du jeu à même pas une passe, c'est du jeu à zéro passe, là, Jimmy George qui charge maintenant, on est sur la ligne du 15 de France, Courtenelos, grosse charge de Courtenelos, bien repoussé par Aldrit, Ntamack, Leroux, toujours lui, qui est toujours présent, et les Anglais, allez, le ballon qui est extrait, on a gagné là. Un mètre, peut-être, ouais, on a gagné un mètre, désormais, c'est parti, allez, nouvelle charge, allez, il faut tenir bon, les gars, continuez. Charlie Wells qui charge là à son tour, Kai Sinclair là qui va sûrement y aller avec avec Itoje dans ses pattes, Aldrit qui essaye de mettre un peu le bazar dans le ruck, hein, qui retarde la sortie du ballon, Itoje maintenant qui et charge. Et les Anglais qui intelligemment se rapprochent des poteaux car tout ballon aplati à la base des poteaux est un essai. Donc c'est volontaire de leur part de se rapprocher des poteaux. Les Français sont pas en jeu, ils sont admirablement placés à 50 cm du sol pour renvoyer ces satanés rosebifs dans leur camp. Aldrit, là, qui vient de mettre les mains sur le ballon, mais on est toujours là, on est au pied des poteaux français, et c'est toujours du jeu à zéro passe. George, Youngs, pardon, qui extrait pour Lowe's. Lowe's repoussé toujours sur la ligne française, pas d'avantage en cours. Neuvième phase de jeu à venir, et les Anglais qui continuent, hein, qui poussent, et qui sont repoussés une nouvelle fois. Maintenant, ça va être le tour de Joe Marler de charger à son tour, Fabien. Ouais, il inverse le sens. Il essaye son tour. Avantage pour les Anglais, c'est pas très grave. Ça sera que 3 points au pire des cas. Il faut pas prendre d'essai, les gars. Continuez. Maintenant qu'il y a un avantage pour l'adversaire, c'est pas grave de faire des fautes plus ou moins évidentes, quoi. On est au pied des poteaux, toujours avec une charge de Sinclair, là, à l'instant, bien repoussée. Et ça y est, l'arbitre qui siffle. Et l'arbitre qui siffle pénalité en faveur de l'Angleterre. C'est un hors-jeu signalé par Nigel Owens. Alors, que vont faire les Anglais, là, Fabien ? Ben écoutez, ils ont une pénalité sous les poteaux, ils sont à moins de 17 points. Vont-ils faire le choix de grignoter progressivement le retard ou de mettre la marche en avant avec une mêlée ou quelque chose de ce genre-là ? Oui, c'est exactement le cas, ils prennent la mêlée. Ils ont été plutôt dominateurs dans cet acte-là, dans ce domaine-là, pardon, en première mi-temps. Là, de tous les cas, les Anglais ont juste besoin de digérer ce ballon-là. Une mêlée au milieu du terrain, c'est très très difficile à défendre parce que chaque côté est ouvert et il y a 25-30 mètres de largeur à défendre pour 2 ou 3 joueurs. Là, c'est le mieux pour mettre en place une combinaison. Là, exactement, surtout quand on a 5 mètres de la ligne adverse. Du coup, d'entrée, les Anglais qui montent leurs ambitions. Hein, ils ne vont pas chercher les 3 points. Ils ne veulent pas débloquer leur compteur alors qu'ils sont bloqués à 0 depuis 46 minutes maintenant. Mais ils veulent marquer. Ils veulent revenir au score et ils prennent la mêlée avec une introduction pour Youngs sous les poteaux français. Grosse pression là, Fabien. Ouais, ouais. Nous, le plus important, c'est de faire une grosse mêlée, là. Faire une grosse mêlée. Et après, les 3/4 se chargeront de la défense de la combinaison anglaise. Mais il ne faut pas permettre aux Anglais d'avancer sur la mêlée. Parce que si les Anglais avancent, nos troisièmes lignes, eux, seront en retard et auront du mal... Pardon, je suis sorti de l'écran. Et auront du mal à combler, à réduire les espaces. Avec là, on a les 68 sélections de Joe Marler face... au nouveau Mohamed Awas qui fête sa première cape aujourd'hui. On l'a pas remarqué jusqu'à présent. Espérons que ça continue. Et c'est parti. La mêlée assez stable. Introduction de Youngs. La mêlée qui s'est écroulée. Et Youngs qui joue avec Ford sur l'aile gauche pour. Joseph. Nouvelle en avant anglais. Ah. Et Dupont qui dégage loin devant. L'arbitre revient à un hors-jeu. Il a sifflé quelque chose, là. Nouvelle pénalité pour les Anglais. Hors-jeu. Nouvelle position de hors-jeu. Là, on est à 5 mètres de la ligne, donc les Bleus doivent être derrière leur ligne d'en but. Hein. Ils n'ont pas le droit de la franchir. Ils ont dû être un peu devant. Nouvelle pénalité pour les Anglais, alors qu'ils avaient commis un en avant. Pourtant, la combinaison était pas mal, Fabien, avec Ford pour Joseph dans l'intervalle. Qui avait pris un intervalle et qui avait été rattrapé. Il avait tenté tout de même d'aplatir le ballon et au moment où il jette son bras, le ballon lui échappe. Mais voilà, le joueur qui l'a plaqué était hors jeu, donc l'arbitre revient naturellement sur l'avantage. Voilà, c'est sur un plaquage de Boutier. Hein. Boutier qui est allé là, il s'est jeté dessus, il n'a pas cherché à comprendre. Et pourtant, Joseph, il avait été mis dans les meilleures conditions par Ford. Exactement. On en revient à une pénalité pour le 15 de la Rose. La première salve, elle a été sortie. Maintenant, il faut sortir la deuxième aussi. Hein. On va voir ce que les Anglais choisissent là, Fabien. Ouais, d'autant plus que Joseph s'est fait mal, on dirait assez sérieusement. Donc, va-t-il y avoir une nouvelle réorganisation tactique de la ligne des arrières anglais ? En tout cas, il semblerait qu'ils vont reprendre la mêlée. Il reste. On est maintenant toujours sur les 5 mètres, à 5 mètres de l'embute. On est un peu plus décalé sur la gauche. On est plus au milieu du terrain. Ouais. Donc, c'est moins évident pour mettre en place une combinaison, même si c'est une mêlée à 5 mètres.
Voilà, c'est une mêlée à 5 mètres. Et les trois quarts français, là, auront 40 à 50 mètres à défendre sur le côté ouvert. Parce que le numéro 9 français se retrouvera automatiquement du côté, du petit côté. On voit Dupont, là, qui est du petit côté. Parce que Ben Hughes introduit le ballon au niveau de son pilier gauche. Donc au niveau de Joe Marler, voilà. C'est parti, les deux packs se mettent en place. On rappelle hein, le pack anglais qui est plus lourd que le pack français. Et les packs, les cotes qui continuent à monter, mes chers amis. On est à... Si vous y croyez à l'Angleterre, c'est maintenant. La mêlée qui ne bouge pas, elle est magnifiquement stable. Le 9 va devoir sortir la balle. C'est chose faite. Avec un joueur qui est venu en cut, qui est venu en coupe. C'était Joseph, il me semble, en premier attaquant. Non, pas Joseph. Mais c'est parti, là. On repart avec les avant-anglais. On est à moins de 5 mètres maintenant. On est à 2-3 mètres de l'embut. Et c'est parti, les avant-anglais. Jeu à zéro passe. Comme tout à l'heure, on prend les mêmes et on recommence. Et on essaye de gagner du terrain. Totalement. Les Français s'en sont admirablement sortis tout à l'heure. Là, ça fait quand même deux fautes sifflées par l'arbitre à 5 mètres de notre ligne. Donc, il se peut qu'il soit un peu plus exigeant la prochaine fois que nous nous trouvons à la faute. Là, c'est Itoje maintenant qui charge en son avant tour. En avant des Anglais, Itoje, c'est magnifique. Exactement, Itoje qui commet Joe une nouvelle faute demain. Qui fait l'effort de sortir du ruck. Fikou qui fait un pick and go. Et c'est un ballon récupéré par les Français devant leur poteau avec cette charge de Fikou pour remettre en place toute cette organisation. Nouvelle faute de main anglaise devant l'embut français. Nouvelle erreur. Et Dupont qui joue avec ses avants. Hein. Ça y est, là, il va essayer de s'ouvrir l'angle. Là, le but, c'est de sortir au pied et de sortir de son camp, Fabien. Exactement, ouais. Le plus proprement possible. Donc, on prend le temps, on a de la maîtrise. C'est parfait. Voilà, Dupont qui s'organise, hein, qui se fait protéger par Awas, notamment. Et qui va jouer au pied, c'est fait, ça y est, il joue au pied et il trouve jeu, la voilà, touche c'est ça. Hors de ses 22 mètres. On peut dire que c'est une sortie de camp assez propre pour Dupont. Exactement, le but du jeu, c'était de sortir le ballon du terrain pour éviter de laisser les Anglais dans leur temps fort. Et du coup, admirablement fait. L'équipe de France, on est reparti sur 10 minutes difficiles en ce début de seconde période. Et l'équipe de France qui s'en sort en encaissant aucun point, admirablement, une fois de plus, génial. Avec une défense de fer infranchissable. Et moi, ça me donne une nouvelle fois envie de donner des free bets, Fabien. Tu as bien raison. Ah, j'ai envie d'être généreux parce que là, franchement, je suis très, très content de ce match-là. Alors que Jamie George sort à l'instant. Hein. Exactement. Il est remplacé par Kohan Dickey. Excellent talonneur, Kohan Dickey. Oui, qui s'est fait connaître dans le monde du rugby par une coupe mulet magnifique. Et qui... Il a arboré cette coupe mulet pendant au moins deux saisons. Maintenant, il est redevenu à une coupe assez classique. Et l'équipe de France qui fait des changements aussi, du coup, qui répond avec l'entrée de deux piliers. Poirot, l'expérimenté. Bamba. Le jeune Bamba de Lyon pour remplacer Cyril Baye et du coup Mohamed Awas. Oui. Mohamed Awas, Fabien, cette première sélection oh, très très bien, il s'est montré au niveau, il a été actif, absolument pas à la rue. Il n'a pas eu trop d'occasion de se mettre en avant, mais en tout cas, il s'est montré au niveau. Ce qui est une très bonne chose pour une première, surtout au rôle de pilier et surtout à 25 ans. Et Poirot qui vient juste d'entrer et qui se signifie d'entrer par un grattage dans les règles de l'art, récompensé par l'arbitre. Voilà, les Anglais avaient joué cette touche, avaient déployé le ballon. Non, non, on veut pas que vous jouiez, les gars. Jefferson Poirot, l'expérimenté. Il était bon d'entrée, il met tout le monde d'accord, là, Poirot. Le capitaine de Bordeaux-Bègles, là, il a un grattage, une pénalité pour le 15 de France dans ses 40 mètres. Et là, on va pouvoir retourner dans le camp adverse. Et du coup, les changements, là, ça m'a empêché de faire mon freebet. Oui. Les pauvres Winamic n'ont pas pu avoir leur freebet. Donc, pour 5 euros, c'est parti. Premier freebet de cette seconde période. Alors que Fabien me laisse tout seul. Ça y est, il est parti. Il est sur le terrain, là, les gars. Il est parti, on a perdu Fabien. Quel joueur, clermontois, a dû déclarer forfait pour ce France-Angleterre à cause d'une douleur à un mollet? C'est parti. 5 euros à gagner, les Winamic. Quel joueur, clermontois? C'est assez simple. Hein. Vous pouvez le trouver rapidement si vous ne le connaissez pas. Alors que la touche du 15 de France a été négociée et que Ratez a été pris et perd le ballon en avant de Ratez qui rend le ballon aux Anglais sur leurs 40 mètres, Fabien. Eh ouais, oh là là là, magnifique. Mais quel match, quelle intensité. Quel bouchon. Il n'y a que des bouchons qui sont distribués. C'est magnifique. Il y a des beaux tampons. Ah ouais. Et Ford est obligé de jouer au pied pour retrouver le camp adverse. Ntamack qui négocie parfaitement. Boutier qui est à la relance. Boutier pris par Courtney Loz qui effectue quand même un gros abattage depuis le début, Courtney Loz. Ah ouais, totalement. Et c'est reparti, ballon pour les Français dans leurs 40 mètres avec Dupont qui va jouer sûrement avec ses avants, Fabien. Oui, ben, Poirot qui vient juste d'entrer a été sollicité à nouveau. Là, Poirot, on voit le contre-rug des Anglais hein, qui tente de récupérer le ballon, mais c'est bien négocié, bon soutien de la part des tricolores. Et Dupont qui joue au pied à son tour, une chandelle de Dupont un peu longue
qui va directement dans les bras de Furbanks, mais chassé Furbanks. Gros plaquage de Vakatawa à la réception de la chandelle, mon ami. C'est énorme. Ah ouais. C'est énorme. C'est d'une propreté incroyable. Yoyimbo83, bien joué. Tu t'es réveillé et t'as donné la bonne réponse. Mais vous êtes deux à devoir donner la bonne réponse. Quel joueur clermontois a dû déclarer forfait hier pour ce match? Dépêchez-vous. 5 euros vous seront offerts en free bet. Alors qu'on voit là, c'est reparti. Comme en première période, il y a une partie d'échec qui se met en place avec le jeu au pied. Et Farrell qui trouve la touche dans les 40 mètres français. Nouveau lancer à venir pour Marchand. Ah non, c'est vraiment très propre ce que met en place le 15 de France. On sent une maîtrise globale et collective. La charnière qui gère très bien le jeu, qui ne s'embarrasse pas du ballon. On ne joue pas pour jouer, ce qui est parfois le défaut des Français et du 15 de France. On joue vraiment quand la situation l'impose. Là, alors, quand même, les Anglais, ils continuent les changements. Il faut ramener du 109. Pour arriver à remettre de l'allant, ils ont fait entrer Ellis Jensch, qui est tout simplement incroyable, un monstre de férocité et d'explosivité. Regardez-moi ça, comme il a chassé le numéro 10 après le jeu au pied. Ouh là là, Ntamack qui ne s'en relève pas. C'était limite au Nigel Owens, pour l'instant l'arbitre, qui n'a pas bronché. Mais peut-être que l'arbitrage vidéo va l'y amener. Et on est avec un ballon pour les Anglais, là, sur leur 40 mètres, avec une grosse charge de Kowandi, Jensch qui a remplacé Marler. Hein. Oui. Et maintenant, on joue au pied avec Ford, qui joue au pied vers Ntamack, là où il s'était arrêté, et Ford qui va trouver une nouvelle touche magnifique. Ouf. Dans les 22 mètres tricolores. Ford qui, pour le moment, précision au pied 100%. Oui, oui, là, à ce niveau-là, il fait du bien à son équipe. Heureusement qu'il possède un chef d'orchestre de haut niveau. Alors que les cotes évoluent encore. Hein. Maintenant, l'Angleterre, c'est 5-10. Alors, rien n'est joué. L'Angleterre peut toujours s'imposer. Sincèrement, une cote à 5-10, c'est énorme pour le 15 de la Rose. On revoit le plaquage de Jensch qui vient de rentrer en jeu sur Ntamack. Il l'a saqué. Ouais. C'est ce qu'on dit, non? Ouais, ouais, on sacque le numéro 10, c'est exactement ça, non, Fabien? Totalement. On le vise et on essaye de lui faire mal dans les règles de l'art. Là, voilà, c'est juste après légèrement un retardement. Ouais. Mais bon, on ne peut pas siffler une pénalité là-dessus. Exactement. Parce que c'est dans le mouvement, comme on dit. Mais voilà, il l'avait clairement dans le viseur, c'est ce qu'il voulait faire. Ntamack qui s'est finalement relevé après plusieurs minutes au sol. Et la touche à venir pour le 15 de France dans ses 22 mètres. Là, il faut bien la négocier. 53e minute de jeu, il faut bien la négocier pour sortir une nouvelle fois proprement de son camp. Et ouais, il faut continuer. Là, la plupart des ballons sont captés avec difficulté. On a eu très peu de ballons propres. Les ballons sont attrapés par les Bleus, mais pas de manière à lancer le jeu derrière. Donc, il serait vraiment génial qu'on s'en sorte très bien sur ce coup-là. C'est parti, donc avec une touche pour Julien Marchand. T'en parlais tout à l'heure, le talonneur n'est pas forcément coupable tout le temps. Mais il y a aussi le timing qui joue et tout ce que tu nous as expliqué. Ouais. Et la crosse qui s'empare du ballon pour un mol. Mais Courtney Lowes, il s'est bien infiltré. Et pour le moment, on n'avance pas des masses côté tricolore. Non, et Marchand se retrouvait isolé en fond de mol. Heureusement, il a su être patient et retrouver le soutien de ses coéquipiers. Une nouvelle fois, Dupont prépare la sortie de camp. Pas un jeu au pied dans la boîte, qui pour une fois est plutôt court. Et Poirot se régale à mettre la pression à la retombée. Sur et Jolivier. À gratter le ballon, mais il est exceptionnel ce joueur, il nous fait une rentrée monumentale. Oh là 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 là, comme si Poirot, oui, pénalité pour la France. Itoje qui perd son rugby et qui empoisonne son équipe pour une fois. Oh là là, c'est super. Face à un Jefferson Poirot, exceptionnel, lui qui est exceptionnel. Qui aime tant enquiquiner ses adversaires, en laissant les mains traîner de partout, il perd son rugby. Là, il perd son rugby, il n'est plus dans les règles. Et on va s'en réjouir. On va s'en réjouir et on commence à trouver une réponse à ce cas. Comment enlever Itoje Envoyez-lui Poirot, quoi. Voilà, Envoyez-lui Jefferson 5 minutes après son entrée en jeu. Deux grattages, deux pénalités gagnées par le pilier tricolore. Ce qui est énorme avec Poirot, moi, ce que je me suis dit, c'est putain, le pauvre, il n'est pas titulaire. Alors qu'il avait fait une Coupe du Monde vraiment honorable, qu'il était vice-capitaine à la Coupe du Monde derrière, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Mais au final, ça l'a tapé dans l'ego et il montre à tout le monde pourquoi il a été le vice-capitaine du 15 de France et pourquoi il mérite, selon lui, d'être titulaire. Quoi. Alors qu'il y a un nouveau changement du côté du 15 de la Rose. Courtney Lowes qui sort, remplacé par Lewis Ludlam. C'est pas n'importe qui. Non. C'est un gros troisième ligne. Et il a déjà un cocard avant de rentrer en jeu. Ce qui est assez étonnant quand même. Il n'a pas encore joué, il a un énorme cocard. Et on a un lancer à venir pour le 15 de France dans les 40 mètres adverses. Difficilement dévié
par Leroux, mais c'est conservé par les Bleus. Et Dupont qui s'échappe. Dupont qui s'échappe sur l'aile gauche. Dupont qui casse de plaquage, qui revient à l'intérieur. Olivon qui va rester. Olivon, le doublé pour le capitaine tricolore. Magnifique essai. Ça part par Barigoul. Dans l'embut. Et les Français qui règlent le compte avec les roast beef. Ils font du bien. Ça fait 20 ans qu'on attend ça. Regardez-moi ça. Magnifique France. Magnifique France qui défend son maillot et qui ne se laisse pas faire. Et les Anglais, pleins d'arrogance, renvoyés à leurs chères études. C'est magnifique. Certains joueurs ont la mine déconfite, à l'image de Kyle Sinclair, totalement effondré. D'autres cherchent la bagarre et continuent à se chamailler. Tous les Français sont là. On est dans l'embut anglais, là. Hein. C'est parti dans tous les sens. Hein. On n'a pas vu de coups échangés, mais ça s'est attrapé dans tous les sens quand même. Ça, seul Kyle Sinclair, c'est le seul qui est resté sur le côté, ouais. Décomposé. Hein. Totalement décomposé, qui cherchait à savoir ce qui lui arrivait. Mais... faut pas oublier quand même cet essai et ce mouvement de Dupont qui élimine trois adversaires sur un débordement. Ouais, revient côté. Intérieur sur Olivon face au dernier défenseur, face à Johnny May. Ouais. Et Olivon qui, malgré un plaquage de Youngs, dans glisse la glissade, jusqu'à l'embut. Voilà. Et le numéro 16 au sol, Kowandiki. C'est rendu coupable d'un mauvais geste et la police française est passée par là. Et là, renvoyé à ses chères études. Regardez dans le fond de l'écran. Super. Merci les gars. Bravo à vous. Owen Farrell qui prend ses joueurs sous les poteaux. Mais il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire ce qu'il veut aujourd'hui. Les Anglais ne sont pas là. Ils sont encore au Japon, je pense, totalement effondrés par leur finale loupée. Et le capitaine tricolore, premier capitana en équipe de France pour Olivon, doublé. Qu'est-ce qu'on pouvait lui souhaiter de plus? C'est pas possible. On peut pas rêver mieux quand on est capitaine du 15 de France, Fabien. Ah ouais, exactement. Et oui, du coup, première, c'est extraordinaire. Les Bleus qui mènent 22-0 à la 55e minute de jeu. Transformation à venir de Romain Tamac, qui va être décalé légèrement un peu sur la gauche des poteaux. Et les Bleus, Ficou qui continue d'haranguer ses troupes. Ficou qui ne les lâche pas, c'est pas fini. Même s'il y a eu trois essais tricolores, c'est pas fini. Par contre, il me vient quelque chose à l'esprit maintenant. Trois essais, Fabien. Il en manque plus qu'un pour le bonus offensif. qui l'aurait pensé avant cette rencontre? Il en manque plus qu'un. D'empocher le bonus offensif contre les Anglais. Et il va falloir commencer à y réfléchir. Un essai pour décrocher le point de bonus offensif. Magnifique. Et rejoindre le Pays de Galles en tête du tournoi destination. Waouh. Bon, on n'y est pas encore. 55e minute de jeu. Romain Tamac qui place son ballon. On est à 22 mètres des poteaux. Sur la gauche. La transformation à venir. Je ne sais plus quoi dire. J'en perds mon latin, Fabien. Eh bien, écoute, regardons un Tamac s'élancer pour transformer ce troisième essai français, le deuxième du capitaine Charles Olivon. Romain Tamac qui s'élance dans une position assez abordable pour un joueur de cette classe-là. Et ça passe entre les pagelles, 24-0 pour la France. Eh bien, écoutez, ceux qui croient en l'Angleterre, allez-y, dépensez votre argent sur l'Angleterre. Mais regardez, la France, oh, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a même plus de cote pour les Bleus. On ne peut même plus jouer sur la France. 7, la cote de l'Angleterre désormais. L'Angleterre, le 15 de la Rose, coté à 7. Et... Un grand homme m'a dit un jour, à partir de là, maintenant, c'est Gigo Haricot. Là, c'est parti. On a le renvoi de Ford dans les bras d'Aldrit, dans ses 22 mètres, toujours chassé par les Anglais parce qu'ils n'oublient pas leur agressivité. On voit Johnny May qui tape pour se faire lâcher. Mais Dupont, plein de calme, plein d'expérience du haut de ses 23 ans, qui tape en touche, hors de ses 22 mètres, pour sortir de son camp. Il n'y a pas eu... une sortie ratée de la part de Dupont, Fabien. Ah non, c'est génial. Cette charnière est incroyable de maîtrise, de talent. De maîtrise. Oh là là, il m'impressionne vraiment, c'est génial. Bravo. Alors qu'on a des changements à l'instant, hein, l'équipe de France qui effectue un turnover avec la première cape de Cameron Hawkey qui entre en jeu à la place de François Cross. Le jeune Cameron Hawkey, champion du monde des moins de 20 ans, qui joue à Bordeaux-Bègles, et la sortie de Paul Willemse, remplacé par Boris Palu, première cape également pour le Racing Man, et une touche à venir pour les Anglais sur les 40 mètres de l'équipe de France. C'est parti, c'est dévié, et c'est envoyé vers Ford, qui joue avec Joseph en premier attaquant, mais Joseph bien pris par les Français. Maintenant, Farrell chassé par Vakatawa, toujours sur les 40 mètres du 15 de France, Fabien, il n'y a rien qui passe.
avec le Rouen deuxième plaqueur, Aldrit qui vient gratter, et c'est incroyable. Là, par contre, Aldrit qui s'était peut-être un peu trop consommé. Youngs qui a joué le petit côté avec May. Et May, Johnny May qui fait sa spéciale. Il est incroyable, ce joueur. Il est incroyable. Ne lui donnez pas un centimètre, c'est pas possible. Regardez-moi ce qu'il a fait. Il a un centimètre qui lui permet de capter le ballon, de taper par-dessus, d'être le premier à la course et d'aplatir le ballon dans le but. Pour nous, il y a essai. Mais notre cher Nigel Owens prépare demande un petit la arbitrage vidéo. Johnny May, on vous l'avait annoncé avant le match. Hein. Ouais. L'essai de Johnny May, c'était annoncé, c'était cadeau les Winamis. Hein. Johnny May, servi dans le petit côté par Youngs, qui tape par-dessus pour éliminer Ratez, qui à la course prend de vitesse Poirot ouais. et qui se jette sur le ballon dans l'embut devant Thomas. L'essai va être accordé, il n'y a rien à dire. Ah oui. Il a passé en revue toute la défense, Johnny May. C'est le talent qui parle, là, Fabien. Ah, c'est un exploit individuel. Eddie Jones dit de lui que c'est un maverick. Un maverick, en anglais, c'est un joueur hors du commun. Un joueur qui est capable de faire la différence. Ben Johnny May, c'est absolument ça. Il est obsédé par la ligne de but. Il est obsédé par l'essai. Eh ben, on vient de le voir, là. Parce que dès qu'on lui donne un petit espace, ne serait-ce que l'espace d'une cabine téléphonique, bam, 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 il vire vote dedans et bam, il va marquer un essai incroyable. Et il marque les premiers points de l'Angleterre, 24-5 avant la transformation de Farrell. Farrell qui est à 22 mètres hein, à droite des poteaux. On va voir si la transformation va passer. 58e minute de jeu. L'Angleterre qui marque ses premiers points. Il a fallu une heure pour voir ça. Ce qui est assez conséquent quand même. Et Farrell qui s'élance. Et ça passe entre les poteaux. 24-7. L'Angleterre, le 15 de la Rose, qui répond tout de suite au bleu après le deuxième essai de Charles Olivon. Du coup, les cotes qui changent. On en redescend à 6,25. Mais c'est toujours très intéressant, 6,25 hein, pour le 15 de la Rose. On les voit, ils sont capables de tout. Cet essai peut peut-être les relancer. Faut rester là, il faut rester dans le match, il faut rester concentré. Faut pas aller chercher la victoire trop vite. Non, donc là, on va faire un coup d'envoi classique, c'est-à-dire on va taper loin en cherchant à mettre la pression sur l'adversaire. Et à partir de là, on va voir ce que les Anglais nous proposent en retour. Mais c'est pas à nous de faire le jeu. On va laisser l'adversaire dans son coin et on va le renvoyer, comme l'a très bien fait Vakatawa, qui a chassé Tom Curry sur ce coup d'envoi. Avec Youngs maintenant qui prépare un jeu au pied. On voit Itoji qui s'attrape avec Poirot. Hein. Youngs qui tape une chandelle assez longue dans les bras de Boutier directement. Boutier qui amorce la relance. Ouf, il est attendu sur la ligne médiane par deux joueurs, hein, par Kyle Sinclair et par un autre joueur anglais. Et maintenant Demba Bamba qui charge, qui avance. Oh, malgré trois joueurs sur le rable, il avance. Et ballon pour les Français dans le camp adverse, Fabien. Eh oui, dans le camp adverse. Donc là, on porte le ballon sur la ligne médiane. Et c'est pas à nous de faire le jeu. Dupont, on est conscient. Il tape un jeu au pied dans le troisième rideau que Daly récupère. Daly, comme toujours, avec son pied gauche, cherche à occuper le temps adverse. Mais Boutier, intelligemment, a laissé ce ballon rebondir. C'est superbe. Mêlé pour la France dans les 30 mètres anglais. Le jeu au pied de Daly, bien trop long, qui est sorti en ballon mort directement. Grosse mêlée à négocier pour les Bleus avec cette première ligne quasi neuve. Oui. C'est la première mêlée de Poirot et Bamba sur ce match. On a vu Poirot au four et au moulin jusqu'ici depuis son entrée en jeu. À lui de faire pareil en mêlée. Oui, c'est un client en mêlée. Je sais qu'il travaille de son côté avec un spécialiste de la mêlée, en plus de tout le travail qu'il effectue déjà en tant que joueur professionnel. Donc, on peut avoir quelques espoirs pour la mêlée à venir. Les changements ont quasiment tous été effectués par les Bleus dans le pack. Hein. Il ne reste que Marchand du pack qui est encore sur le terrain. En face, Kyle Sinclair est toujours là. Oui. Et Poirot va être opposé à Kyle Sinclair. Grosse mêlée à venir. Introduction, Antoine Dupont dans les 40 mètres anglais. L'heure de jeu, c'est maintenant qu'il faut leur montrer ce dont la France est capable, Fabien. Faut serrer le jeu, là. Totalement. D'autant plus que c'est une introduction pour la France. Donc on peut largement espérer obtenir une pénalité sur cet affrontement des deux packs. Alors la mêlée qui a du mal à disputer, du coup on va en profiter, on va offrir des nouveaux free bets à nos amis parce que là 24-7 c'est exceptionnel, je m'en remets pas, je sais pas quand est-ce que je vais m'en rendre compte quand même. L'heure de jeu, 2 x 5 € à gagner nos amis. Quel joueur français a terminé meilleur marqueur d'essai du 15 de France lors du dernier tournoi des 6 nations la saison passée? Quel joueur français? On vous aide, on vous donne un petit indice, c'est un ailier. Après vous vous débrouillez. L'heure de jeu, 2 x 5 € à gagner. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est un nouveau free bet. Et la mêlée qui a beaucoup de mal à se dérouler, ça va être la troisième fois qu'elle va être refaite. En plus,
Dépêchez-vous de répondre au free bet lancé par Lucas. On vient de vous mettre à l'écran. France gagne par au moins 14 points d'écart. C'est vraiment indécis. Vous pouvez vous positionner là-dessus plutôt que sur la cote brute de France-Angleterre qui est assez déséquilibrée à l'heure actuelle. Là, ça va rester indécis jusqu'au bout. Alors, n'hésitez pas à vous positionner sur le meilleur marqueur français l'année dernière lors du 6 Nations. Et grosse poussée anglaise hein, sur la mêlée. Mais les Bleus gardent le ballon avec Wookie maintenant. Wookie qui essaye de rafuter Johnny May dans les 20, sur les 22 mètres anglais. C'était Elliot Daly, pardon. Et en avant de Demba Bamba qui perd le ballon sur les 22 mètres anglais. Les Anglais qui vont repartir à l'assaut du camp adverse. Et les Anglais qui n'ont vraiment aucune vista. Aucune vista. C'est vraiment pas leur truc de tenter quelque chose de qui sort du commun, quoi. Vraiment pas. Là, ils ont essayé. On a vu Youngs qui a tenté de trouver son ailier. Une passe de basketball qui va directement en touche. Exactement. Vraiment. Alors qu'on revoit la mêlée, énorme domination anglaise, là, Fabien, rien à dire. Ah ouais, mais le ballon a été conservé quand même. Et Dupont s'est échappé, a cassé deux plaquages. Servio qui, après contact, énorme Dupont sur le coup. Et malheureusement, sur le temps de jeu suivant, Demba Bamba qui a fait un en avant. Ouais, ouais, donc on va revenir là-dessus avec une introduction pour les Anglais. Le numéro 9 a changé. Willie Hines qui vient de rentrer. Alors Willie Hines, c'est un parcours totalement atypique. Ce joueur a 33 ans, 9 sélections, mais sa première sélection a été vécue juste avant la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il a eu l'honneur de porter le maillot de son pays à 33 ans. C'est quand même assez rare pour être signifié. Et ça montre surtout que ben, tant que tu restes travailleur et que tu y crois, ben, tu peux toujours avoir une belle surprise. Et donc Willie Hines qui est rentré à la place de Ben Youngs. Ouais. Et... Personne n'a répondu. Et personne n'a répondu au free bet à gagner. Hein. On vous le rappelle, quel joueur a été le meilleur marqueur d'essai du 15 de France la saison dernière lors du tournoi Destination ? On a vu un quiz, mais non, on vous demande un joueur français, un ailier français exceptionnel, alors qu'une nouvelle fois, l'Angleterre prend le dessus en mêlée et cette fois-ci, ils obtiennent une pénalité. Et en plus, ils font les beaux derrière. Incroyable. Les Anglais qui sont d'un toupé, d'un culot littéralement hallucinant. Bien que mené au score, bien que mal mené depuis le début du match. On a vu Demba Bamba là, hein, se prendre la tête avec son vis-à-vis. Et on a vu Bernard Leroux, lui, qui est partout. Hein. Il défend ses coéquipiers, il est dans les rucks, il est en touche. Il est exceptionnel, Bernard Leroux, en défense, au plaquage. C'est l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, il n'y a rien à dire. Vraiment. Et du coup, on revient à une pénalité pour les Anglais et Farrell qui devrait trouver une touche dans le camp tricolore et ramener le jeu dans les 40 mètres français à peu près. Oui. Pikachu, non, on ne voit pas vos réponses au quiz en tout cas. Sinon, on voit bien ce que tu viens d'écrire. Bon, on laisse les modos gérer tout ça et vous distribuer des free bets en conséquence. Restez alerte parce qu'il restera également un free bet dans le dernier quart d'heure à distribuer. Voilà, n'oubliez pas là, ce qu'on a mis à l'écran. Il est très intéressant à jouer. France, alors que Farrell a trouvé une touche dans les 22 mètres français, hein, même pas dans les 40, dans les 22, il a été encore meilleur que ce que j'imaginais. Mmh. Et un lancé à venir pour Kowan Diki, le talonneur d'Exeter. Ouais. À une quinzaine de mètres de la ligne tricolore. On va voir si on arrive à contrer ce lancé, Fabien. Ah, ça serait vraiment extraordinaire d'arriver à le faire. Mais ce n'est pas le cas, et les Anglais qui enclenchent en molle, les Français ont très bien répondu. Ils n'ont pas sauté afin d'être le plus réactif possible au sol et mettre une grosse pression. Willie Hines est contraint de sortir le ballon. Et les Anglais envoient Jonathan Joseph au charbon. Et maintenant avec Hines qui est extrait pour ses avants. Toujours on est sur du jeu, une passe sur les 22 mètres français. Et c'est parti, hein. Hines qui est extrait rapidement. La défense française toujours bien en place, toujours agressive avec Wookie maintenant au plaquage et départ Poirot. Les Anglais n'avancent pas sur ce gain de terrain et ils sont bloqués sur les 22 mètres de l'équipe de France. Ouais, une nouvelle fois là. Regardez ça, 14 joueurs prêts à défendre. 14 joueurs sur une ligne. Et Ficou qui renvoie via un magnifique plaquage cathédrale. Curry dans son camp. On a encore gagné 5 mètres dans cette histoire-là. Superbe investissement. Superbe technique de plaquage de Gaël Ficou. C'est sur ce plaquage-là, on comprend pourquoi Ficou a été nommé capitaine de la défense par Sean Edwards. Les Anglais qui continuent de jouer mais qui perdent du terrain. On est maintenant à une trentaine de mètres de l'embute alors qu'on était dans les 22 mètres français. C'est reparti avec les trois quarts anglais maintenant. Johnny May qui est décalé sur l'aile gauche. Johnny May qui accélère. Johnny May qui déborde, mais c'est pas possible. Mais il vient d'où ce joueur? On n'a jamais vu ça. Enfin, personnellement.
exceptionnel, Johnny May, Fabien, qui a passé en revue toute la défense, qui a slalomé sur l'aile, qui est revenu intérieur, qui est allé à dame. Johnny May qui inscrit son doublé et qui réduit l'écart 24-12 pour la France. Johnny May, sensationnel. Waouh. On en a vu des ailiers incroyables dans le circuit international. Mais un ailier comme celui-là qui profite du moindre espace pour déborder et pour aller à dame, il y en a très peu. Il est touché seulement par ses adversaires. Le rugby peut jouer à toucher parfois. Il a évité trois plaquages. Mais certainement pas au Stade de France lors d'un match international. Et on va rebasculer sur les cotes. Avec l'Angleterre, du coup, qui récupère une cote à 5,30. On vous l'avait dit que ce n'était pas terminé, qu'il fallait rester concentré sur ce match-là. Johnny May, servi sur l'aile droite à une quarantaine de mètres de l'embute. Personne n'imagine qu'il peut aller au bout. Il élimine Ratez, Ntamack, Thomas et finit entre les poteaux en plus. Entre les poteaux pour faciliter la transformation d'Owen Farrell. 24-14 pour les Bleus. Il va falloir se remettre dedans. Les 5 dernières minutes ont été difficiles, Fabien. Il reste 15 minutes de jeu. Les Anglais... Non, c'est pas possible. Voilà ce qu'ont fait les Anglais aujourd'hui. Ils ont donné le ballon, 2 ballons à Johnny May. Il a marqué 2 essais. La seule chose où ils ont été bons jusqu'alors, c'est sur 2 mêlées aussi auparavant. Il y a 5 minutes. Exactement. Et ils arrivent à mettre le doute. Et ils sont là. Et ils arrivent à inverser la tendance. Ils sont là à 15 minutes de la fin avec un ballon pour Willie Hines qui met en place ses avants avec Itoje notamment. Itoje qui a enlevé son casque, hein, à noter. Hein. C'est petit point capillaire. On voit les cheveux d'Itoje maintenant. Et pas ceux de Hines, bien sûr, désolé pour lui. Avec un boutier parfait à la réception d'une chandelle sur la ligne médiane, mais chassé tout de suite et renvoyé dans ses 40 mètres par les Anglais. Je me rappelle d'une phrase d'Eddie Jones concernant Itoje. Parce que Itoje, outre d'être un excellent joueur, est aussi quelqu'un de très intelligent. Il prépare un doctorat en parallèle de sa carrière. Eddie Jones avait dit le terrain de rugby, c'est plus l'intelligence de la rue qui doit prédominer. On verra si Itoje a ça également dans son bagage. Ah, c'est incroyable. Itoje a su répondre présent, bien sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et on est revenu avec une possession anglaise maintenant et un nouveau jeu au pied de Hines, une nouvelle chandelle. Un peu longue pour ses trois quarts. Ntamack commet un en avant à la réception. Touché par Dupont, mais conservé. Si, l'arbitre de la rencontre arrête le jeu, c'est logique. C'est une pénalité. C'est une pénalité, normalement. Un en avant repris devant, position de hors-jeu, pénalité. Alors qu'Aldrit est resté au sol. Coup dur pour Aldrit, mais aussi pour l'équipe de France, vu qu'il est resté au sol, parce que, on rappelle, Woki est déjà entré en jeu. Mm. C'est un coup dur qu'Aldrit reste au sol. Et normalement, on revient à une pénalité pour le 15 de la Rose. Dans le camp français, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? 24-14, Fabien. Ah, moi, si je suis anglais, est-ce qu'on prend les points? Est-ce qu'on va en touche? Non, faut prendre les points pour être dans les 22 français, tenter de marquer un essai. Au pire des cas, si tu perds la possession, tu auras de nouveau un ballon dans les 40 adverses. Là, il faut profiter d'être dans un super temps fort pour essayer de maximiser la chose et réduire l'écart. Alors qu'on se dirige plutôt vers une mêlée, du coup, hein, parce que Nigel Owens a dû considérer qu'Antoine Dupont avait involontairement touché le ballon en position de hors-jeu. Du coup, on se dirige vers une mêlée. Leroux, 20 plaquages. Voilà, 20 plaquages réussis. Tu voulais quelque chose, une stat pour agrémenter Leroux? 20 plaquages réussis. Là, on trouvait monstrueux, on en a une preuve. Et Julien Marchand, remplacé par Movaca pour cette mêlée dans les 40 mètres français. Julien Marchand, auteur d'un match assez solide. Oui, pour un retour au niveau international. Remplacé par son coéquipier Peato Movaca. Deuxième sélection pour lui, après une première sélection lors du Mondial. Ouais. Et on espère que son entrée va changer la donne en mêlée. Il est frais. À lui de bien prendre ses piliers, de gagner cette bataille de l'impact. Face à un Kowan Diki frais également, qui est entré il y a peu de temps. 68e minute de jeu. Là, c'est le moment important. Mêlée pour les Anglais sur les 40 mètres français. Introduction, William. Ça y est, c'est parti. Combinaison 89, Fabien. Décalement. Oui, pardon. Oh là là, il a failli intercepter le ballon raté. Quel dommage! Il est de partout aujourd'hui, l'arbitre va revenir, il a fait en avant, oh là là, il avait le ballon dans les mains, il avait bien senti le coup, Ratez. Sur cette passe de Ford pour ses trois quarts, mais il n'a pas réussi à maîtriser le ballon sur la ligne médiane, ouais. Malheureusement pour le 15 de France. On revoit l'action, Ford qui décale, et la Ratez qui sent parfaitement le coup après la passe de Deli, mais qui malheureusement était peut-être un peu trop en avance. Ouais, finalement, ouais. Il va trop vite, le Rochelet.
Et il n'a pas réussi à se saisir du ballon, quoi. On était tout proche, Fabien. Totalement. Tout proche de tuer le match. C'était le bon moment. Ouais. On revient du coup à une mêlée anglaise sur la ligne médiane. Finalement, on gagne du terrain. La mêlée d'avant, c'est bon plutôt bien passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas réellement subi. Il faut faire absolument la même chose ici, là. Il faut continuer à bien lutter ensemble, à rester un bloc, à taper à 8. À taper à 8 joueurs. Et donc là, on est au centre du terrain, sur la ligne médiane. L'impact a été plutôt anglais. Et je les sens, ils enclenchent la deuxième poussée. La mêlée qui tourne. L'arbitre. Et Curie qui prend le ballon, qui s'empare du ballon, qui sert Ford pour un jeu au pied de Farrell, de Furbanks, pardon, ouais. Dans les 22 mètres français. Une belle touche trouvée par l'arrière. Et un lancer à venir pour Movaka, son premier lancer. Le premier lancer, est-ce que c'est délicat quand on est dans ces 22 mètres? On sent un peu une pression supplémentaire ou pas? Alors, moi qui joue talonneur, je vais te répondre le plus sincèrement possible, non. D'accord. Pas forcément. Pour ma part, en tout cas, je pense que c'est le cas de la plupart des joueurs professionnels, encore plus internationaux. Non, moi, mon objectif, c'est d'avoir un ballon sec. Voilà, dès que j'ai un ballon sec, après, je fais ma routine. Et j'attends l'annonce de mon coéquipier. Et le ballon est perdu par les Français avec un sauteur lobé par Movaka. Et c'est un ballon pour les Anglais maintenant dans les 22 mètres du 15 de France avec une charge, une première charge de Curie. Et Heinz qui extrait le ballon. Heinz pour Ludlow maintenant. Ludlow qui est repris, la défense tricolore qui se remet en place. Hein. Comme en première période, une grosse défense de l'équipe de France, Fabien. Ah ouais, et les Anglais qui n'avancent pas dans les collisions. Alors on tente de faire la fin du facteur autour du ruck. Ça ne marche pas non plus. Les Français sont bien en place. Tous les joueurs sont debout et prêts à défendre. 15 joueurs français face à 10-12 joueurs anglais parce qu'ils sont tous agglutinés au sol à l'heure actuelle pour conserver le ballon. C'est parti maintenant avec Jenge qui charge, mais qui est bien repris par Poirot. Hein. Poirot qui est partout. Gros tampon sur Willy Heinz de Peato Movaka, mais il a réussi à passer le ballon. Et les Anglais qui ont toujours la possession dans les 22 mètres tricolores. Willy Heinz est là. Ils perdent du terrain. Ils sont maintenant sur la ligne des 22 mètres. Ils ont perdu une dizaine de mètres à peu près. Ils sont d'une stérilité incroyable dans leur jeu. Et Itoje qui charge à son tour. Alors qu'une pénalité est demandée pour un bon grattage de Movaka, mais l'arbitre ne bronche pas. Hein. Il ne bronche pas. Oh, il n'y avait pas de quoi. C'était pas suffisamment flagrant pour être récompensé. Les Anglais qui souffrent vraiment de l'absence des deux frères Vunipola pour porter le ballon et avancer. Ils souffrent également aussi de la sortie sur blessure de Tuilagi. Le seul qui avance, c'est Ellis Jenge. C'est vraiment sa spécialité. On l'appelle le baby rhino, le bébé rhinocéros. Tellement il est gazif et qu'il charge le casque à pointe en avant. Et c'est parti, hein, les Anglais qui ont repris du terrain maintenant, hein, qui sont dans les 22 mètres tricolores, toujours avec Willy Heinz pour Ford. Ford pour Itoje qui, en pivot, joue avec un de ses trois quarts. Le ballon est sorti sur l'aile gauche maintenant pour Joseph. Joseph qui est repris par Boutier et Teddy Thomas. Les Anglais sont à 10 mètres de l'en-but, Fabien. Et les Anglais s'envoient des passes dans les chaussettes. Ils gardent malgré tout la possession. Allez, il faut tenir bon, les gars. On est à la 13e phase de jeu. Il faut tenir bon. Grosse séquence pour les Anglais, hein. Grosse séquence défensive. Oui, ballon perdu par Williams, récupéré au sol. Je crois que c'est Maurice Palu qui récupère le ballon au sol, qui se jette dessus. Ça sera une mêlée. Et Nigel Owens intervient alors qu'on voit Maurice Palu se jeter comme un chien affamé, sans être méchant, sur le ballon. Et la possession devrait être récupérée par les Bleus avec une introduction en mêlée, Fabien. Oui, il me semble bien. On attend tout de même la décision de l'arbitre. Je ne veux pas m'emporter, je l'espère. De tout cœur. Moi de même. On voit, hein, le ballon perdu par Willy Haynes au moment de vouloir le passer après contact. Et pas lui, il s'est jeté dessus. C'était son ballon. Ah ouais. Il voulait le laisser à personne. C'était le sien. Il voulait pas le prêter, celui-ci. Quel don de soi. C'est vraiment génial. Il voulait pas le prêter alors que les cotes évoluent toujours. Hein. On voit la France à 1,04, l'Angleterre à 6,50. Il reste 8 minutes 30 de jeu. Le temps de vous offrir un dernier free bet sur cette rencontre. La France mène 24-14, le dernier free bet de la partie. 5 euros à gagner toujours deux fois. Dans quel club évolue Awas, le pilier tricolore? On en a parlé longuement pour sa première sélection. Dans quel club évolue Awas, le pilier du 15 de France? C'est plutôt le sud de la France, on va les aider. Hein. On va les aider. C'est plutôt le sud de la France. Maintenant, une mêlée à venir. 72e minute de jeu, c'est pas encore le money time, mais on y est presque. Faut tenir. Mêlée à venir, introduction France, faut absolument talonner le ballon plus vite. Exactement. Talonner le ballon plus vite, offrir la possibilité à Aldrit de partir et de sortir le ballon de cet édifice qui est pour l'instant balbutiant depuis cette deuxième mi-temps.
Donc il faut tenir, hein. il va falloir tenir face à la pression anglaise, taper là, parce fort, qu'ils vont nous impacté, la mettre. Hein. Impacté, talonné, voilà, Aldrit est déjà placé, prêt à partir, voilà, c'est très bien. L'entrée de Movaca, qui a fait du bien dans la mêlée et qui permet à nos bleus de conserver ce ballon. Et Aldrit qui s'est échappé avec le ballon en main, il a été repris à hauteur de ses 22 mètres à peu près. C'est maintenant Woki qui va extraire le ballon du ruck pour Demba Bamba. On ouvre l'angle pour Dupont là, Fabien. Ouais, on fait tourner le temps, exactement. Dupont était pris dans le ruck précédent. Donc voilà, on a ouvert l'angle, on a préparé notre sortie de camp. Et Dupont, à l'image, je l'espère, de tous ses jeux au pied depuis le début de la rencontre, va taper. Ça y est, c'est parti. Tape en touche, hors de ses 22 mètres, à hauteur de ses 40 mètres même. Une nouvelle sortie de camp propre, comme il en a été l'auteur depuis le début de la rencontre. Et un lancer à venir pour les Anglais. On est toujours dans le camp français. Ça fait plusieurs minutes maintenant qu'on n'a pas vu la moitié de terrain opposé. Mais on tient bon. Une défense toujours de fer et on tient bon. Exactement. Ce qui est plutôt positif. Donc le quiz n'a pas toujours été trouvé. Non, c'est pas Clermont que joue le jeune Mohamed Awas. Alors qu'il y a eu un changement, Fabien. Will Stewart, pour sa première sélection, a remplacé Kyle Sinclair en première ligne. Et les Anglais qui ont le ballon maintenant sur la ligne médiane. Et ils tentent de déployer du jeu afin de revenir au score. Même si Ford offre une chandelle magnifique. Oh là là là, le ballon est capté par les Bleus en deux temps. Rates qui arrive à s'extirper des premiers défenseurs anglais et qui va s'empaler sur Georges Cruys. Le ballon va rester bleu très probablement dans ce ruck grâce au bon travail de Leroux, d'Aldrit, de Woki au déblayage. Teddy Thomas se retrouve en numéro 9 car Dupont est également consommé. On est sur les 22 mètres tricolores maintenant avec Bamba qui subit la grosse charge de Ludlam et Dupont qui vient se remettre devant le ruck pour sûrement utiliser une nouvelle fois son jeu au pied. 5 minutes à peu près à jouer encore. On approche de la fin, Fabien. Ça y est, on y approche. Et Dupont, voilà, qui prépare son jeu au pied avec une protection de Poirot sur le coup. Et ça y est, Dupont qui tape au pied, qui ne trouve pas la touche parce qu'il était hors de ses 22 mètres. Exactement. Directement dans les bras de Daly, qui joue avec Ford pour la relance. Et les Anglais qui ne s'embarrassent pas, comme bien souvent, qui envoient un grand jeu au pied de pression et qui espèrent récupérer le ballon en dessous. Et non, ça sera Aldrit qui le récupère. Aldrit qui s'est jeté dessus hein, après une mauvaise appréciation de Boutier dans les airs. Mais le ballon est conservé par les Français sur leurs 40 mètres. C'est parti, on joue avec les avants. Du jeu à une passe, Palu qui a bien tenu. Et un Tamac maintenant pour une nouvelle chandelle. Il faut la récupérer là. Ouais, parce qu'elle n'est pas très bien tapée. Bien joué de Ficoua, dommage. Ah là là. Ficoua qui la récupère mais qui la laisse à Heinz maintenant avec Johnny May. Johnny May qui effectue une mauvaise passe. Les Anglais avec Furbanks à hauteur de la ligne médiane, Fabien. Ouais, c'est vraiment la dernière munition pour les Anglais pour espérer quelque chose. Willie Hines qui tape un ballon à suivre et c'est Underhill qui est à la course. Dupont qui est rentré avec ce ballon, semblerait-il, oui, donc il est obligé de jouer. Il donne à Boutier et Boutier qui sort ce ballon dans les... Oh là là là, 18 mètres seulement de notre ligne. Les Français maîtrisent de moins en moins. Les Anglais, eux, ne font pas grand-chose d'extraordinaire, mais ils tapent dans notre camp. Il voit ce qui se passe. Belle vision du jeu de Hines sur ce coup qui avait vu le troisième rideau totalement découvert pour un petit coup de pied par-dessus. Ouais. Et Dupont qui a mal lu la trajectoire du ballon qui est rentré avec dans son embut alors qu'il aurait pu attendre 2 secondes de plus pour l'aplatir. Et sous pression, Boutier a dû dégager en touche. Mais le ballon récupéré par les Français sur la touche est perdu dans la foulée. C'est maintenant pour les Anglais toujours sur les 22 mètres tricolores, Fabien. Ouais. Ben voilà, les Anglais, encore une fois, on va dire que c'est leur dernière chance, mais bon. Grosse pression mise par les Anglais, là, hein, avec une longue possession. Ça fait maintenant beaucoup de temps qu'ils sont dans le camp tricolore. Et oh, Farrell qui fait la balle. Il est repassé en numéro 10, parce que Deveto a remplacé George Ford. George Cruys à hauteur. Il va pas y avoir essai, c'est pas possible. George Cruys stoppé dans l'embut tricolore. Oui, il n'y a pas essai. Bon plaquage des Bleus sur ce coup. Notamment de Ntamack et Olivon qui ont réussi à se placer sous le ballon pour empêcher le deuxième ligne anglais d'aplatir alors qu'il avait effectué une charge phénoménale. Exactement. Entre les poteaux. Après, il faut le noter, un gros intervalle trouvé par Farrell. Ouais. On revient à une mêlée à 5 mètres pour les Anglais. La pression est toujours énorme, intense. 77e minute de jeu au Stade de France. 10 points d'avance seulement pour les Bleus. Il faut tenir. Et Ntamack cède sa place. Ça va être l'entrée en jeu de Mathieu Jalibert, le Bordeaux-Béglé. Deuxième sélection pour Jalibert. On se souvient malheureusement de sa première sélection où il était sorti sur blessure.
C'est difficile d'entrer en jeu à ce moment-là. Oui, mais il va porter son sang frais et toute sa hargne. Hein. Il a que 3 minutes à jouer. On peut être sûr qu'il va galoper pendant les 180 secondes qui lui sont offertes sous le maillot bleu. Ah là là, il y a un petit blessé là, côté français, c'est parfait. Ah oui, Aldrit qui a la pommette assez endommagée. Il s'y est filé quoi. Voilà, là, sur le coup, il s'y est filé, hein, faut le dire. Mêlée à venir, attention. Là, c'est le moment. C'est le moment du match. Faut tenir sur celle-là. Fabien, s'il faut y aller, c'est maintenant. C'est la guerre là, non? Ouais, encore plus. Moi, j'irai encore pas. Toi, je te laisse y aller. Ouais, t'as l'habitude. Ouais, moi, personnellement, je reste ici, je suis bien. Ouais. Mais voilà. Mêlée sous les poteaux français. Introduction Heinz. Ouais. Et on en revient à ce qu'on disait en première période tout à l'heure. La mise en place d'une combinaison va être favorable. Ah ouais, là, exactement. Bon, c'est ce qu'on voit là, par exemple. Farrell est placé dans l'axe de la mêlée avec Fairbanks dans son axe. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 quarts angle à droite, 2-3 quarts à gauche et 2 dans l'axe. On ne sait pas où ils vont se positionner par la suite. Donc nous aussi, également côté français, on est un peu dans l'expectative et on est obligé de s'adapter à ce que vont faire ces filous de roast beef. Alors que là, la mêlée n'a pas réussi à se dérouler dans le premier temps. Le temps tourne. Le temps tourne, c'est ce qui est important. On s'est fait avoir par les Gallois en quart de finale de Coupe du Monde comme ça. Exactement. Donc si on peut en jouer nous aussi, je suis pour. Hein, je suis pour. On va repartir sur la mêlée. Avec deux premières lignes toutes neuves. Ouais. Enfin, toutes neuves. Elles ont un peu avancé maintenant, mais bon, elles sont fraîches. Et Williams qui introduit le ballon est rapidement talonné. Williams qui s'échappe. Gros tampon d'Antoine Dupont à la sortie de la mêlée. Et le ballon aplati par Teddy Thomas dans son embut. Quel tampon. Ouais. Quel tampon. Au ballon, magnifique. Normalement, ça serait une mêlée France, il me semble. Putain, c'est bon. Ça sent vraiment très, très bon. Il reste 2 minutes 30. La mêlée sera pour la France. Ouh là là, quel bouchon. On revoit le bouchon de Dupont, mais même tampon Magny, il ne serait pas assez là. C'est énorme. Face Dupont vis-à-vis. Qui a chopé Heinz alors qu'il tentait de se faire la malle d'entrée et qu'il a plaqué au ballon en avant de Heinz dans la foulée. Du coup, mêlée pour les Bleus à 5 mètres de leur en but. 77e minute et 32 secondes. Ça tourne Fabien, ça tourne, ça tourne. On y est presque. Ah, c'est bon, on va le faire. On va le faire. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ouais. Tu me l'annonces, hein. Tu nous l'annonces à tous, là. Hein. C'est officiel, attention. Là, c'est pas possible, autrement. J'en transpire, là, Fabien. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Franchement, je suis pas bien, là. Je suis très stressé. Dupont qui va introduire le ballon dans la mêlée. Ça y est, c'est parti, Fabien. Voilà, le ballon est déjà dans les pieds d'Aldrit. Il s'extire. Oh là là, il s'extire pour Ficou. Ficou qui gagne du terrain, hein, qui a réussi à rattraper la passe difficile d'Aldrit et qui a gagné du terrain. On est à 10 mètres de l'embut bleu maintenant. Dupont qui va jouer avec ses avants, Movaca soutenu par Poirot. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner le temps dans ce cas-là? Ouais, il reste 1 minute 30, c'est peut-être un peu long à faire, mais les Bleus semblent partis pour utiliser cette tactique-là. Voilà, on fait des petits tas à 5-6 mètres du ruck. On assure la conservation du ballon en ayant des soutiens très proches du porteur du ballon. Pendant ce temps-là, le temps tourne et les Anglais sont réduits à plaquer. À plaquer, à chacailler dans les rucks. Mais comme il y a déjà des bleus pour protéger le ballon, c'est très, très dur de récupérer le ballon. Les Anglais qui gagnent du terrain. On est revenu à 5 mètres de la ligne. On est sur la ligne maintenant. C'est dangereux ce que font les Bleus. La tactique utilisée est très dangereuse parce qu'on a perdu beaucoup de terrain. On est sur la ligne d'en-but tricolore. Dupont, qui a joué plusieurs fois avec ses avants, mais qui a perdu du terrain. Et là, il va sûrement falloir jouer au pied pour se sortir de ça parce que là, 79e minute, et c'est compliqué. Ouais, c'est ce qu'ils vont faire, on dirait. Là, Dupont qui s'arrache pour sortir le ballon de ce ruck. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il Dupont croit que c'est terminé. Qui a cru que mais c'était... ça ne l'est pas du tout au niveau du timing. Il reste 1 minute de jeu. Le demi de mêlée a pris le ballon dans le ruck, a dégagé en touche, hors de son en but. Teddy Thomas qui prend ça à la rigolade parce que oui, il reste 30 secondes et les Anglais devraient marquer deux fois. Donc oui, c'est gagné pour le 15 de France. Mais Dupont qui a eu 1 minute de... Il a été trop précoce. 1 minute de rapidité, quoi. Il s'est trompé. Il a cru que c'était fini. Et il a tapé en touche, hors de son en-but. Mais du coup, il rend la possession aux Anglais qui n'arriveront pas à marquer deux fois en 24 secondes de jeu. Donc, c'est gagné. Mais on pourrait offrir un point de bonus défensif aux Anglais. Maintenant que la victoire incroyable. Est... Il n'y a que nous pour faire ça. C'est pas maintenant possible. Que la victoire est acquise... Il faut laisser le moins de points possible aux Anglais. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le reste du tournoi. Alors qu'Arthur Vincent rentre en jeu à la place de Vakatawa. Le centre de Montpellier. Première cap
Ouais, première sélection pour lui aussi, qui n'était pas prévu sur la feuille de match au départ, oui. Qui a été appelé après le forfait de Damien Penaud. 20 ans pour le jeune Arthur Vincent. Double champion du monde, il me semble. Exactement. Capitaine des champions du monde moins de 20 ans la saison dernière en Argentine. Ils ont emporté ce titre-là. Allez, il reste 10 secondes de jeu. Dernière mêlée, introduction en Angleterre suite à ce fait de jeu assez atypique où Dupont a sorti le ballon du terrain pensant que c'était terminé. Et pénalité pour les Anglais sur cette mêlée. Hein. Grosse poussée une fois de plus. Ça a été le seul domaine où on a souffert. Où on a souffert. Ouais. Clairement, il faut se le dire, on a souffert. Mais ça a été le seul domaine, donc c'est un petit, c'est quand même de la consolation. Alors qu'on voit Fabien Galthié embrasser ses adjoints et Ibanez soulagé quand même. Ouais. Le manager de l'équipe de France. On peut leur dire bravo. On peut leur dire bravo car beaucoup de monde était sceptique. Exactement. Moi le premier. Et on soulignera quand même Hugues Briatte qui avait quand même annoncé 8 à 14 points, victoire pour la France. C'est quand même fort de sa part. Et voilà, ça y est, les Anglais qui ont fini, qui vont prendre les 3 points pour rentrer dans le clou du bonus offensif. Ouais, et pendant ce temps-là, les Français savourent leur victoire et s'embrassent tous les poteaux. Alors c'est assez atypique comme scène, le public est heureux, les Français sont heureux. Le casque de Bernard Leroux qui a souffert, ouais. Hein, il était clairement endommagé. On voit qu'il s'y est filé, lui aussi, Aldrit qui porte les stigmates de cette victoire. Élu homme du match. Élu homme du match, et Farrell qui pose son ballon à une vingtaine de mètres des poteaux, décalé sur la gauche. Mmh. Qui devrait réussir à transformer cette pénalité sans souci vu son talent. Mais c'est une victoire des Bleus, Fabien. On l'a fait. C'est une victoire des Bleus avec la manière, exactement. Avec un petit peu de peur en fin de match. Mais franchement, les Anglais ont été méconnaissables. Mais c'est certainement l'allant offensif, l'enthousiasme défensif qui nous a permis tout ça, qui a permis la France de s'imposer et qui a vraiment rendu les Anglais méconnaissables. Alors que ça passe pour Owen Farrell sans souci. Et c'est terminé. Victoire de l'équipe de France 24 à 17. Ntamack qui savoure. Je savoure aussi, hein, personnellement, je te le dis. Ça fait longtemps que j'attendais ça et je savoure là. Wow. Une victoire comme ça de l'équipe de France, ça annonce un bon tournoi, Fabien. Ah bah ouais, totalement. Ça annonce beaucoup de choses positives. Après, excusez-moi d'être un peu le rabat-joie du système, mais la France, c'est un coup oui, un coup non. Assez souvent, on a une difficulté à avoir des excellents résultats sur le long terme. Donc le challenge, ça sera de confirmer contre une équipe d'Italie assez faible le week-end prochain. Le challenge véritable, il est là. Et après, surtout, aller chercher quelque chose au Pays de Galles dans 3 semaines. Merci Fabien d'avoir commenté ce match avec nous. Tout de suite, restez avec nous. Hein. Il y a le débrief tout de suite avec Hugues et Thomas en plateau. On bouge pas, on arrive, à tout de suite et merci aux 15 de France. Merci de nous avoir suivis et bravo les gars, merci la France.